Je vous jure, c'est vrai. Au début, il dit ouais, les noirs vous moquez, mais au moins ils balancent des cailloux. Les blancs, vous allez à l'école pour apprendre à être sage. Ridicule un peu. Vas-y, comme morceau en vrai. Bon, ça va sinon, les gens. Merci, Green Classroom. Ça dit quoi? Ça va, les gens qui demandent quand il vient, Dany, il revient à la fin de la semaine, là. Ça, vous allez souffrir encore quelques jours avec moi. Il reste encore trois streams avec moi. Ça, vous allez pas vraiment. Vous allez pas casser les couilles non plus. Un stream musique avec Ilyes, on a déjà fait un peu, mais oui, on en refera, vous inquiétez pas. Je t'ai jamais vu sans ta casquette. Pourtant, il y a des photos de moi possibles, disponibles sur le net. C'est comme le chanteur de Slipknot, il y a des photos de lui sans masque. Maintenant, il va être sans masque sur scène, je crois. T'enchaînes sur des vacances, moi c'est un peu plus tard. Merci Prince de Lu. Merci Prince de Lu, merci beaucoup. On est bien. On est bien, merci Prince de Lu, merci Jean-Michel Tranlaï. Merci Chibraxis. Le film de cul sur la classe d'explique catastrophe, ouais j'ai maté, c'est de la D. T'es pas trop en doom, moi si les gens c'est... Ouais voilà Cory Taylor. Si les gens ça fait bader Twitter. Hein. On va pas faire full Palestine ce soir, on en a beaucoup parlé. Cassandre il a fait un stream hier, je pense, on va en reparler un peu pendant le vu. Et puis ça suffira quoi. Et voilà. Et demain, je sais que PDH ils font une émission sur Oublier Camus, je pense qu'on va en reparler un peu. Un truc en public et tout. Aller au cirque électrique. Après, je sais pas, peut-être y'a plus de place, donc peut-être je dis de la merde et allez-y pas, mais allez-y. Mais voilà quoi. En ce moment, c'est beaucoup, ouais, les gens sont immondes. Non, c'est une dinguerie. Les soutiens inconditionnels et Israël. Ah bah les gens c'est... Bah moi je trouve que... Autant les soutiens inconditionnels... Moi je m'y attendais un peu. Enfin pas autant bien sûr. Mais ce qui m'impressionne c'est deux trucs. C'est déjà les gens qui se taisent. Ça veut dire que moi je trouve le nombre de... Dans les sphères qui nous intéressent. Le nombre de gens de gauche. Qui font des tweets toute la journée sur tous les sujets. Wow, leur silence est assourdissant, moi, je trouve. Hein. Genre, je trouve que c'est une dinguerie, ça. Hein. Genre, c'est un truc de fou. Hein. Genre, surtout venant de gens qui ont vraiment des trucs à dire, surtout d'habitude. Hein. Là, c'est... ouais. Ça fait péter un plomb. Et les filtres à mou. Et moi, je trouve que paradoxalement, bah, comme d'hab, le NPA Poutou les plus basés, je crois, et continue le train de live, sinon j'arrête de... En fait, faut pas parler de sujets intéressants. Tout le monde part quitte à dire de la D. Aldo, je vois pourquoi t'as cet avis-là, mais moi, je parle plutôt... justement, en fait, moi, je trouve que il y a des gens qui s'expriment sur rien d'habitude et qui, là, vont s'exprimer. Et des gens plutôt politisés qui disent plein de trucs, là, ils s'expriment plus. C'est ça que je veux dire, qui... Voilà, quoi. Et les gens, je vous en conjure. J'ai plus parlé du sujet, hein. C'est horrible, hein. Merci Onibaku, Dwidem, merci beaucoup. Il est où le Gomuscu? Il est au Japon, là. Il est en position japonais, là. Domo, domo, je suis japonais. Train à vapeur. Ouais. Le trade de chrono. Et moi, j'ai pas eu le temps de le lire. C'était quoi son trade? J'ai pas eu le temps parce qu'apparemment il la délète après. Mais est-ce qu'il la délète parce qu'il était trop pro-Palestine ou trop pro-Israël? Merci Adrivroom. Mais certains pipous Twitter qui ont tenu la barre. Oui. Je sais pas de qui tu parles, mais oui. Non mais j'imagine, non mais bien sûr. Il a dit Hamas égale Israël. Il a vraiment dit ça? Les deux camps sont nuls. La guerre c'est mal, j'ai pas raison la team. Ouais. Après, quand t'es pas renseigné, c'est normal de se dire ça, les gens. C'est normal de se dire ça quand t'es un peu... voilà quoi. Une enquête pour apologie du terroriste sur le NPA annoncée par Darmanin, mais non. Mais attendez, wow, faut pas que Darmanin il tombe sur ce stream. Non, tout va bien se passer. Mais du coup, maintenant, dire Free Palestine, c'est être un peu terroriste, quoi. C'est une dinguerie de dire ça. C'est une dinguerie, hein. Je te cacherai, oui, c'est ça, oui. Je vais me cacher tout seul, hein. Et il lâche les chiens.
J'aime plus le chrono depuis qu'on voit sa tête. Ah bon? Il a dit qu'il penche vers la Palestine à cause du rap et du foot, mais que c'est de la hype aussi. Ah ouais, ça c'est un peu désastreux par contre. Après, je vois son avis. Moi, je pense que c'est plus sincère que ce que vous croyez. Ouais, mais après, les gens, vous pouvez vous moquer. Combien de personnes sont dans ce cas? La vérité, j'ai juré les gens. Combien de personnes laissent mourir ce train de live parce que c'est des connards? Deuxième question. Moi aussi un peu. Moi je suis dans ce cas, j'ai juré. Les commentaires sur votre dernier TikTok. Après c'est normal les gens, merci l'anonyme. Mais dire que personne n'a forcé à écrire, mais j'ai pas dit que les gens l'avaient forcé à écrire, mais le fait de dire ouais moi j'avoue, je suis pro-palestinien parce que je mate le foot et j'écoute du rap, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont comme as. Je trouve ça bien de dire ça. Hein. Il est parti en vacances à la bande de Gaza. Mais là, Dany, il est en mode Jacques Vergès. Il passe des valises. Il a supprimé. Ouais, ouais, la manif avec Johan Soir. Ouais, la manif d'extrême droite, là. Je vois ce qu'il veut dire de fou. Mais bien sûr. Et il faut pas le regretter, en plus. Moi, je pense justement qu'il faut regretter que ça soit plus le cas. Que, genre, faudrait que ça soit encore plus ça. Que les gens, ils sont encore plus pro-palestiniens. Parce que c'est dans l'imaginaire collectif, en fait. Je trouve ça médiocre de le dire, c'est nul. Bah non. Passe des armes iraniennes à Gaza, ouais, on va dire ça comme ça, ouais. Je pense qu'il passe surtout des brochettes grillées d'une assiette à sa bouche, quoi. Voilà ce qui se passe, hein. Sfar était dedans. Bah bien, non mais... Attendez, vous découvrez que Sfar, c'est un turbo soutien d'Israël, les gens. Ah, vous, vous voulez faire des listes, c'est ça? Vous avez besoin de listes pour savoir les sionistes en France? J'ai envie de crever avec vous, hein. C'est insupportable. C'est juste en faire quelque chose, c'est bien que des gens le soient de base sans rien comprendre. Bah ouais, ouais. Il y en a déjà, oui, bah c'est pour ça que je dis ça. Bah oui. Le FPLP a rejoint la lutte, mais c'était pas déjà le cas, ok. Ok, ok. Les listes de Twitter, oui. Bah après, les gens, la liste de Twitter, pour les gens qui n'ont pas la ref, c'est une meuf qui a allé sur Insta et qui a répertorié les stories de stars, semi-stars, acteurs, télé-réalité. qu'ont rendu hommage à Israël, etc. Et ça, la vérité, les gens, c'est des gens... merci les anonymes, merci beaucoup, continuez les dons. La vérité, c'est des gens dépolitisés qu'on fait ça. Genre, c'est pas pour excuser le truc, parce que je trouve ça, c'est un peu ridicule, genre, surtout, enfin... Genre, c'est, tu sais, c'est vraiment en mode, ouais, bah au pire, tu vas sur Insta, tu le vois, et puis bon, pff, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, moi, je trouve, à la limite, moi, j'aurais préféré une liste des gens qui ont soutenu la Palestine pour faire un truc positif, tu vois. Je trouve ça, ça aurait été plus cool, tu vois. Genre, mais après ça, c'est des gens, ils, tu sais, ils, dans leur vie, ils sont pas politisés. Et Insta, c'est un bail, quoi. Ça veut dire screen les stories pro-israéliennes sur Insta. C'est... Tu te poses pas la question, tu vois. Tu dis ça parce que t'es sur la liste. Ouais, ouais, je suis sur la liste, ouais. Non, mais je parle justement des gens pas politisés. Faire une liste des gens pas politisés qui ont soutenu la Palestine, tu vois. Ça sert à quoi de faire ça au final? Ouais, ça sert à rien. Tier liste des soutiens, ouais. Les renseignements des Netanyahu font déjà la liste pour la Palestine. Ouais, après, d'accord, vous allez me dire, oui, pour les renseignements, ça centralise. Mais après, si t'as mis ton soutien sur Twitter ou Insta, bon, nique ta mère. Genre, ça y est, t'es baisé, quoi. Bon. C'est pas parce qu'on va te mettre sur un thread de Twitter, c'est parce qu'on va mettre ton tweet de soutien sur un thread de Twitter que ça va être un problème, quoi. Faut arrêter, quoi. Des gens pas politiques, c'est de la Palestine, bien sûr. Il y en a plein. Ah, il y en a plein. Elle sert à quoi ta casquette? Wesh, elle sert à rien, gros. Pourquoi toi, elle sert à cacher ta calvasse, c'est ça? Et t'es triste parce que moi, elle sert pas à cacher de calvasse et que j'ai totalement mes cheveux? Je comprends ta tristesse. Je quitte le PS grâce à la Palestine et vous. Enfin, putain, c'est pas trop tôt! Combien de gens rejoignent le PS? Pardon. Pardon, pardon. Continuez le train de hype. L'implantation est parfaite. Et oui. C'est réel les menaces d'élection de la fille? Non, je pense pas. Je pense pas. Ouais, ce soir je vais être solo, a priori si j'en ai marre j'appellerai Cassandre. Merci Sylvoli. Merci. Il y a des gens qui sont politisés uniquement il s'agit de la Palestine. Bah oui, oui, moi j'ai le même avis que toi, le de la pêche. La vérité c'est ça. Va jouer à LOL, ouais bien sûr, ouais. Olivier Faure catastrophique, mais c'est le PS les gens, qu'est-ce que vous croyez, genre c'est... Tu penses quoi des BD de Johan Farr? Il y en a certaines qui sont bien, d'autres c'est des immenses arnaques. Bon, en vrai il y en a une que j'aime bien. Le reste je trouve ça éclaté. Kameto et Billy, toujours basé. Ouais, j'ai vu Amine aussi en parler sur un TikTok.
qui a parlé du sujet, c'était un peu basé. Il était en mode oui, les gens ils découvrent aujourd'hui ce qui se passe, c'est bizarre un peu. Roussel a rejoint Mélenchon et quitté la NUP. Bon écoute, hein, force à lui. Hein. Le chat de Jean Massier, oui, bah après il a un chat de Normie un peu, les gens. Joël, ouais, Joël basé de fou. Un plan pour payer moins cher l'iPhone 15. Bah, t'attends dans la rue. Non, je rigole. Pas mal de spécialistes, oui, moi j'en ai vu un, mais bon, voilà quoi. Voilà quoi. Ouais. C'est quoi la une de Charlie Hebdo? J'ai pas vu, attendez. C'est quoi la une? Wouah, ouais, les gens, c'est... Wouah, mais ils pensent vraiment ça. Wouah, c'est chaud, hein. Ouais. C'est une dinguerie, hein. Merci, Kron. Merci beaucoup pour le raid, merci. Ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Torchon fasciste. Ah ouais, non, mais Charlie Hebdo, ils ont pété un câble, de toute façon, ça fait un moment. Ouais. C'est des ouf. Bon, voilà, quoi. Mais vous dites des trucs dans le chat, par contre, vous êtes des immenses de mer. Toi, tu prends 24 heures sur ça. Vous êtes complètement teubé de dire des trucs comme as. Vous êtes vraiment des... Ah, c'est un truc de fou. Bref. Je le remets pour les gens qui n'ont pas vu. Bienvenue le Red, ouais, bienvenue. Je suis gentil, moi, ouais, c'est ça. Ouais, je suis solo ce soir. Les gens ont été péter les plombs, la fistrée de complice du Hamas pour une position tiède sur la paix, s'il vous plaît, quelle dinguerie. Bah oui. Non, mais c'est là que tu vois qu'il y a un vrai glissement. Ça veut dire quand tu dis ça déjà à des militants un peu radicaux pro-palestiniens, je vois, enfin, c'est pas que je trouve ça normal, mais je vois dans quel moment ton esprit se dessine ce truc, tu vois. Cette dialectique, cette opposition. Mais quand tu prends des positions molles, un peu irréaliste de la fille qui dit s'il vous plaît, on pourrait toujours faire les deux états, la paix, on condamne tous les morts, nous on veut la paix. Quand tu dis super vidéo d'ailleurs, ouais, on a essayé, ça va parler du B1, on va parler de Bégodeau, apparemment il parle littérature. Et après j'ai des documentaires qui s'appellent Histoire brillante de la jeunesse. Donc on va regarder pourquoi la Genève c'était mieux avant. Voilà, en gros, c'est le programme ce soir. Ça va être bien je pense, j'espère, ou alors on va se faire chier, il y aura personne. Je sais pas, il n'y a pas de vidéo. En fait le problème, c'est que j'ai pas envie de faire un deuxième stream sur la Palestine. Et vous avez envoyé que des vidéos sur la Palestine, donc voilà quoi. Qui va arrêter les Israéliens de faire leur massacre? Bah, c'est la question que beaucoup de gens se posent, mais bon, voilà quoi. Merci Dr Glasnost, merci pour les deux abonnements malgré la fin du train de live, continuez à vous abonner. Il y a que ça et zéro nouveau contenu YouTube. Oui, bah oui, je sais. La vidéo sur Freeze. Ah ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr. Le vu suffira. Mais oui, le vu, on va en reparler un peu à ce moment-là. Oui, c'est ce que je disais, Kron, Dani, il est en mode Vergès, là. Il est en mode Jack Vergès, là. Il apporte des valises au FPLP. Mais ouais. Une députée israélienne a appelé à envoyer une bombe nucléaire sur Gaza. Oui, j'ai vu ce tweet d'une députée israélienne qui appelle à jeter la bombe nucléaire sur Gaza. Après, j'ai regardé une trentaine de tweets en dessous de gens, d'autres Israéliens qui lui répondent et personne n'est d'accord avec elle. Hein. Donc bon. Après, ils sont tous d'accord qu'il faut faire quelque chose, mais pas ça.
Ça veut dire bon, que cette position-là reste quand même relativement... voilà, quoi. Genre, c'est pas non plus la position hégémonique, quoi. Après, les autres sont pour les tuer, normalement, quoi. Voilà, voilà la différence entre eux, quoi. Mais oui, imagine, tu dis ça, oui, de fou, c'est... Bien sûr que oui. Bah oui. Ils sont à 15 km de Gaza, un peu CSC. Oui, de fou. Non, mais bon, voilà, quoi. C'est un tiers de débit, oui, de fou. Bégodo qui dit que rien ne peut faire en sorte que la question d'islamophobie devienne centrale chez les Blancs, bah si, avec l'antisémitisme contre Israël. Voilà, si Aurélie veut prendre ma théorie. J'ai pas compris ta théorie moi-même. Islamophobie, si, à cause de l'antisémitisme. Je comprends pas. J'ai rien compris à ta théorie, mais je pense que c'est pas grave. Ouais. Intéressant. Non, mais de toute façon, on va mater le vu, on va en parler un peu, hein. Il y a l'MPA qui se prend une enquête pour apologie du terrorisme. Est-ce que c'est une enquête pour faire peur ou ils vont vraiment se faire baiser sur ça? Imaginez, on se fait baiser sur ça, c'est une dinguerie, hein. Dinguerie son discours. Ah ouais, bon... Quel NPA? Bah, c'est le NPA à Poutou, non? Parce que c'est les seuls qui ont défendu, qui ont eu une position un peu radicale. C'est le NPA à Poutou. L'autre NPA, ils ont une position de Gaulmont, non? Le pire, ils vont y passer. Vous croyez? Vous croyez? Le NPA, à une époque, ils avaient 2-3 trucs illégaux qui dataient des années 70. Tu crois qu'ils ont encore des flingues et tout? Mais non. Ils ont encore des flingues au NPA. Les explosifs? Les deux NPA ont la même position? Ah bon, j'ai pas vu ça, mais bon, d'accord, ok, peut-être je me suis planté. Ils ont encore des trucs comme ça? Bon, c'est une dinguerie. De fou! Bah, vous branlez, je pense. Hein. Là, vous vous branlez un peu. Hein. Là, je pense que là, vous vous touchez. Hein. Je pense que bon, faut doser, quoi. Le NPA raciste a eu une position proche de la FI. Ouais, moi, c'est ce que j'avais vu, mais ok. Dans le jeu des positions de parti, visait des attentats, j'ai pas trouvé le PCF 3 à côté de ses pompes. Je sais pas, j'ai pas vu. Je lis plus que des qui écrit le PCF, ça me donne mal à la tête. Et pourquoi tu réécris ton avis de merde? On l'a déjà lu et on a dit qu'on avait pas compris ce que t'avais dit. C'est une dinguerie de dire ça. C'est une dinguerie, hein. Bon. On va commencer ce stream de Gaulmont un peu là. Poutou aussi basé que les filles, voire plus. Mais attendez, mais vous rigolez, Poutou il a été bien plus radical. Il a été bien plus radical que la fille, vous rigolez là. Bah, je veux bien défendre la fille, mais là. Je sais pas, hein. Calmez-vous quand même. Oui. Allô, le vu. Hop, on va commencer ce stream de merde. Y a pas de vidéo, c'est insupportable. Ma vie, c'est de la merde. Et les filles fait bâche en étant mou. Y a un glissement de fou. Oui. Après, voilà. Hein. Voilà quoi. C'était quoi la musique? C'était Slow Dive. Et voilà. Regarde un striptease. Oui, oui, Lies, ça va. Hein. On a envie de faire des streams avec des trucs bien quand même. Non, c'est bien striptease. En vrai, c'est bien. Parce qu'il insulte les gens pendant 18 NPA différents. C'est pour ça que vous êtes les meilleurs streamers. Ah bah voilà, mais j'insulte pas tout le monde, mais bref. Parce qu'il a bien préparé son live. Bah ouais, j'ai préparé mon live, mais il n'y avait pas de vidéo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? C'est une dinguerie de dire ça. C'est du Gaulmont, hein. Je crois que ça va être Gaulmont un peu. Hein. Alors, on essaye de garder notre bonne humeur. J'avoue que c'est parfois un petit peu compliqué, mais on va passer une heure ensemble à essayer d'oublier un petit peu ce qui se passe autour de nous, même si c'est compliqué. Oui, vraiment, c'est vraiment la posture à avoir. Hein. Vraiment, faut surtout oublier vite, quoi. Faut vraiment pas y faire attention. Vraiment, le but en ce moment, vraiment, c'est de dire on va surtout faire attention de pas y penser. Ça serait dommage de s'inquiéter de la situation, quoi. Ça serait voilà, quoi. C'est un carnage. Au moins 260 personnes sont mortes, abattues par les terroristes du Hamas lors de l'attaque du festival près de Gaza. Décor à perte de vue.
sur le bord des routes. Sur Twitch, d'oser. Je suis sur Twitch. Dans les champs, les cadavres de ceux qui ont tenté de fuir. À ma connaissance, depuis l'Holocauste, il n'y avait jamais eu autant de Juifs tués en une journée. Et depuis l'Holocauste, nous n'avions plus été témoins de scènes de femmes, d'enfants, de grands-parents et même de survivants de l'Holocauste chargés dans des camions et devenus captifs. C'est une dinguerie de dire ça. C'est une dinguerie. Mais surtout que, genre, ça serait entendable si eux, ils faisaient pas ça tout le temps, en fait. Genre moi, je sais pas, je trouve que les gens qui comparent un peu trop vite Israël aux nazis cringe. Mais bon, genre, c'est quand eux, ils... Enfin, genre, je sais pas, genre... c'est que pour l'opinion publique, ouais, bien sûr. Genre, des enfants, des femmes tuées, des gens mis dans des camions pour les emprisonner et vivre dans une sorte de ghetto. Enfin, je sais pas, genre, c'est... Ouais, c'est des ouf, hein. Ouais, le vieux horrible. Le début de stream de Golemont. Oh là, oh. Ce sont les visages qui hantent Israël. Et la liste ne cesse de s'allonger. Les disparus de l'attaque du Hamas, samedi dernier. Il y a ceux qui ont été identifiés, enlevés par le mouvement islamiste et ramenés à Gaza, comme cette vieille dame de 85 ans, Yaffa Hadar, dont la vidéo a fait le tour du monde. Ils sont 150 au moins à avoir été ainsi kidnappés. On a face à nous un ennemi. Mais quand même, quel niveau de déconnexion, genre, enfin, ce que je trouve deep dans l'histoire, déjà, c'est ultra triste, hein, genre, bon, voilà quoi, des gens qui se sont fait buter, des babos d'un festival qui se sont fait buter, c'est triste. Mais dites-vous que ces gens, ils sont allés écouter de la trance à la frontière juste à côté de Gaza, sans jamais se poser une question une seule seconde. Ça veut dire que dans leur tête, c'est tellement logique. Il y a tellement aucun problème que personne n'a eu peur, quoi. Genre, genre, je trouve ça... Des races d'Israël, MDR, oui, bon, bref. Genre, moi, je trouve ça deep. Ça veut dire vraiment, pour eux, ils se sont pas dit que c'était un peu dangereux de faire ça ici. Genre c'est un truc de fou, quoi. Osef de ça. Bah pourquoi Osef? Moi je trouve pas ça Osef, je trouve ça deep, ça dit quelque chose de la situation. Ça dit quelque chose de la situation de la colonisation, quoi. Gardez vos blagues de merde, oui Boumed, et hésite pas à ban des gens. T'es ouf de dire ça? Bah non, je suis pas ouf. Bah non, mais vous rigolez ou quoi? Imaginez, y a une rave party... de Russes juste à côté de je sais pas où, etc. Genre les gens, c'est pas pour dire qu'il fallait pas le faire, c'est pas pour dire que c'est normal qu'ils se soient fait tuer. C'est pour dire que géographiquement, c'est un truc de fou. Petite rêve à 7 km d'une zone de guerre, bah oui. Genre ça veut dire que vraiment, ils sont tellement sûrs de leur armée et de la puissance du truc, qu'à aucun moment... Mais je dis pas que c'est de la provoque, moi je pense pas que... Non mais là, c'est là où vous êtes des débiles. Moi, je suis pas en train de dire qu'ils ont fait ça en provocation, exprès, pour montrer notre... Non, ils se posent... les gens, ils se posent même pas la question. Arrêtez de mettre de l'intentionnalité dans le truc. Qui pour une free party au Maroc? Il y en a de fous, Guruknak. Tu sous-estimes les scènes free party du Maroc. Je te jure que j'ai vu 1000 vidéos sur ça. Mais bref, c'est un autre débat. Genre, c'est pas un truc d'intentionnalité, de... oh là là, on y va parce que c'est proche, donc c'est stylé. Non, c'est juste que la question se pose même pas. Ils se disent même pas que c'est un peu chaud, genre c'est dans une situation, voilà quoi, genre c'est... Et puis genre même genre, organiser un festival là, genre enfin je sais pas, tu sais, je suis en mode, vous êtes des ouf quand même. Hein. Mais bon après, évidemment personne s'attendait à ce qu'il y ait une percée du Hamas comme ça, donc bien sûr que personne s'y attendait et tout, et puis bon, genre... genre vraiment en plus, genre il y a un truc aussi où je pense qui crée un clash dans les cerveaux, c'est que parmi les premières victimes de l'attaque du Hamas, c'est des babos en sarouel psy-trans, quoi. Donc il y a un truc vraiment... c'est l'Occident humanitaire qui est touché en premier. Ce qui, je pense, est une image qui fait bugger les gens de fou. Genre... c'est un truc... tu vois, il y a un truc... il y a un truc qui... Genre, ça montre l'hypocrisie de tout ce truc-là, quoi. Genre, ça met vraiment en opposition...
des trucs un peu irréconciliables, quoi. Mais voilà, quoi. Ennemis abominables, ce sont des animaux humains qui s'en prennent à des vieux, à des enfants. Ce que le Hamas a fait, nous n'avons pas vu depuis les horreurs de Daesh. Je regardais cette une de Libération ce matin. C'est juste la date, 7 octobre 2023. C'est un peu comme le 11 septembre pour les Israéliens. Ça va rester un choc qui va rester longtemps. Au cœur de ta... Non mais, d'accord, moi je comprends de fou le choc. Ça veut dire que t'es obligé d'être choqué quand il t'arrive ça. Genre, on est d'accord. Mais du coup, le choc inverse qui dure depuis combien de temps? 70 ans? Genre, c'est ça qui est une dinguerie. Genre, je ne comprends pas que personne ne se fasse la réflexion dans l'autre sens, en fait. C'est que si t'es capable, et on est tous d'accord, de comprendre le choc pour les gens qui ont vécu ça, qui ont vu ces images-là, etc., genre, enfin... Genre, c'est... Genre, vraiment, le choc, est... tu ne peux pas le nier, tu peux pas faire genre, ils s'en foutent, etc. Mais comment tu fais pour ne pas comprendre le choc qui est sans commune mesure de l'autre côté, rien qu'en termes de nombre de morts, quoi. Bon, je me répète avec le stream de la dernière fois, ça m'énerve. Et en plus, on l'a mieux dit avec Wissam, j'ai pas envie de partir dans le truc, on a très bien parlé avec Wissam, j'ai pas Square, envie de, les soutiens de répéter à Israël mal des trucs. Et les pro-palestiniens séparés par ces barrières et les forces de l'ordre. Et moi, je pense que c'est la banalité du mal aussi. C'est le truc de... Des vidéos de quartiers entiers de Gaza rasés avec des darons qui sortent avec leurs gosses pleins de poussière morts dans leurs bras en pleurant même plus tellement ils sont habitués et genre dans leur dignité terrifiante là. Genre ça on en a trop vu en fait, ça y est c'est pas grave quoi. Genre ça c'est bon, ça y est c'est dans le truc de... Et puis c'est une bombe quoi et on sait un peu, c'est presque comme si l'immeuble il avait explosé tout seul quoi. Genre c'est... Ils se font face dans une double manifestation classée à risque. En France, il y a d'abord cette image symbolique de la Tour Eiffel illuminée en bleu et blanc, les couleurs du drapeau israélien. Moi j'ai honte, hein. Pourtant vous savez que je suis chauvin de fou, hein. Mais genre j'ai pas souvent honte de la France, hein. Faut le faire, hein. Là ça fait partie du moment où j'ai honte, mais j'ai honte. En hommage aux victimes de l'attaque terroriste. Vous avez vu hein, ce communiqué qui a été envoyé par le groupe parlementaire LFI. Je cite « L'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza. » C'est purement descriptif. Tiens, en plus, là, la phrase, tu la prends toute seule. L'attaque armée du Hamas intervient au moment d'une intensification du conflit. Tu sais, tu peux vraiment la prendre même. Genre, qu'est-ce que t'en hantes ? Genre, ça dit rien de ce que tu penses de ça. Genre, ça dit rien de pour quitter, tu sais. Genre, mais même juste dire ce truc-là, qui pourrait même être dit d'un point de vue pro-israélien, tu vois ? Genre de dire, bah oui, il y a un conflit, on doit se défendre, on est en conflit avec les Palestiniens, on les attaque, ils répondent, tu sais, un truc... Mais genre, même la description factuelle, colorblind, on va dire, même si c'est pas ça, mais du conflit, c'est déjà trop, c'est une dinguerie. Cisjordanie à Jérusalem-Est. Il n'est donc pas question d'attaque ou de terrorisme. LFI parle d'une offensive armée. Ah oui ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais attends, mais je comprends pas. En fait, ça voudrait dire... Moi, en fait, ce que je trouve bizarre, c'est que les exactions du Hamas, tu peux les regretter même dans le cadre d'une offensive armée. En fait, je comprends pas pourquoi il y a besoin de faire sortir ça du cadre de la guérilla... de l'offensive armée, etc., pour pouvoir regretter les trucs qui se passent. Mais je pense que c'est pour faire genre, il n'y a que ça. Je pense que le but aussi de dire terroriste, c'est que dans tout le conflit, il n'existe que des meurtres de civils, quoi. Genre, ils sont jamais attaqués à l'armée, c'est purement gratos, quoi. Genre, c'est ça qu'ils sous-entendent, quoi. Offensive armée, c'est quand ça attaque des militaires. Mais là, ça a attaqué des militaires aussi. Non, mais là, vous faites baiser. Donc c'est bien ce que je dis, ton commentaire prouve ce que je dis. C'est que cette rhétorique sous-entend que pour vous, il n'y a eu que des civils israéliens tués. Il n'y a eu aucune attaque sur l'armée, ils n'ont pas attaqué de militaires. Mais comment ils ont fait pour avoir un tank alors ? Bref. Et appelle à un retour à la table des négociations. Je condamne bien évidemment ces crimes de guerre, tout comme je condamne
d'autres crimes de guerre, qui sont les crimes de guerre qui sont commis par l'État israélien à l'égard des Palestiniens depuis maintenant des années. Moi, je suis un grand critique de la politique de M. Netanyahou. Je pense qu'il faut lutter contre la colonisation. Je pense que les Palestiniens ont droit à un État et au respect de leurs droits qui sont bafoués depuis longtemps. Mais ça, c'est pas de la résistance. Ça, c'est pas... Il n'y a aucune cause. Il faut être hyper clair. Il n'y a aucune cause qui légitime cette horreur. Dans la bande... Vraiment, allez voir la vidéo avec Wissam. En fait, j'ai pas envie de redire ce qu'on a dit, mais allez voir. Si vous avez pas vu le live qu'on a fait l'autre fois, si connard. Mais non, mais c'est pas ça la discussion. Tombez pas dans le truc de tout est légitime en face, c'est pas ça la discussion. Personne ne parle de légitime ou quoi que ce soit, Yazubi. Bah oui, non, mais c'est pour ça, c'est pas ça la discussion. Bah les Palestiniens aussi, mais oui, mais c'est ça, mais... C'est ça que je disais avec Wissam, c'est que leur faux signe égal, c'est pas un signe égal. C'est que rien de légitime d'un côté, mais des trucs légitimes un peu de l'autre. Bon, bref. De Gaza, l'armée israélienne a multiplié les frappes. Plus de 500 cibles du Hamas selon Tsahal. Des objectifs multiples, comme cette mosquée détruite par un missile. Oui. Le Hamas seulement, oui. 500 missiles que sur des gens du Hamas, oui. Ça, c'est comme BFM, 400 terroristes tués. Hein. Oui, bah oui. Mais ça, on en revient au truc de quand les ricains, ils étaient en Irak, en Afghanistan. Où il y avait le truc des missiles qui touchaient pas les civils, là. Les frappes, voilà, les frappes chirurgicales, ouais, c'est ça. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Ça choque personne. Mais non, mais... Moi, je pense qu'il déjà, faut pas oublier, mais allez voir aussi Cassandre, il sort une vidéo demain où il en parle. Il y a plusieurs trucs. C'est qu'il faut pas oublier que déjà, des images de ce que subissent les Palestiniens, il y a beaucoup de gens, notamment à gauche, qui en ont trop vu. On s'est habitué. Et en plus, le deuxième truc, c'est qu'une bombe qui tombe sur un immeuble filmé d'en haut, qui tue 200 personnes... Ça choque moins qu'une vidéo d'une personne quand tu une autre de face à face. Genre tu vas être plus choqué de voir un mec mettre une balle dans la tête à bout portant à une autre personne que de voir une bombe détruire un bâtiment vu le filmer d'en haut. Genre rien que ça, ça change tout en fait. Vraiment rien que ça, ça change tout. Et après ceci dit, c'est pas une excuse parce que des vidéos de l'armée israélienne qui tue des gens à bout portant, il y en a aussi, hein. Mais dans les médias, c'est pas ça qui passe. Et moi, je suis pas en mode complot. C'est Cassandre qui expliquait ça. Faut pas croire que c'est un complot qu'ils essayent de cacher ou quoi. C'est qu'ils disaient dans les rédactions des vidéos des exactions de l'armée israélienne à Gaza ou en Cisjordanie ou n'importe où. Ça passe même pas la première relecture parce qu'il y en a trop, en fait. C'est qu'il y a un effet comment... Ça arrive tout le temps, en fait. Ça veut dire que tu fais plus des news là-dessus. Tu fais plus des news là-dessus. C'est pas un événement, c'est ça. C'est plus un événement de recevoir une vidéo d'un soldat israélien qui tabasse un gamin. C'est plus une news. T'envisages même pas d'en parler, en fait. Genre, ouais, c'est plus de l'info. T'es en train de hiérarchiser des horreurs des deux côtés. Mais si t'entends ça dans mon discours, qu'est-ce que tu fais, là? Si t'es pas capable de réfléchir pour comprendre ce que je dis, j'en ai rien à foutre. Vraiment, barre-toi. Barre-toi. Si tu veux faire un faux signe égal entre une armée surpuissante et des gens, 2 millions de personnes qui vivent dans un territoire minuscule avec de l'eau insalubre, et que t'es en train de comparer les conditions de vie des deux personnes et trouver que c'est un peu la même chose, c'est toi qui es sorti de l'humanité, c'est tout. Donc casse-toi, t'as rien à faire ici. Vraiment, en fait, désolé, hein, mais si vous avez pas une once d'humanité à penser autrement, cassez-vous, en fait, bref. Voilà, ça m'énerve, pour ça, je veux pas en parler. J'étais calme avec Wissam, là, j'ai la flemme, donc je vais arrêter. Le résultat, la bande de Gaza était ce matin plongée dans le chaos. Des immeubles éventrés, une population terrifiée et des secours débordés. Horreur des deux côtés, en fait. Oui, c'est sûr qu'on a vu... On a vu des quartiers de Tel Aviv détruits comme ça aussi, ouais. C'est vrai, hein. C'est vrai que c'est vraiment ce qui se passe, hein. C'est vraiment les images. C'est vraiment la même chose. Genre, c'est vraiment équivalent, quoi. D'après Gluon Frenchman.
Ça, c'est vraiment... on a vu la même chose de l'autre côté. Hein. On a vu ça aussi, ouais. Aujourd'hui, Israël intensifie encore les représailles en annonçant un siège complet pour les 2 millions d'habitants de la bande de Gaza. Hop. Pas d'électricité. Il y en a un, il a dit à deux frappes, la première non explosive pour faire évacuer, la deuxième pour démolir. Non mais, vous vous rendez compte de ce que disent les gens dans le chat? Il y a une explosion pour prévenir. Et après, ils ont le temps de partir. C'est une dinguerie. Pas de nourriture. Pas d'eau. Et du coup, les gens qui meurent dans les bombardements, ils sont restés exprès, genre. Genre, ils savaient, ils étaient... Ah, c'est bon, j'ai ma petite explosion pour prévenir. Bon, bah, je vais m'en aller. Vous êtes des oufs de dire des trucs comme ça. Hein. Vraiment, genre, vous êtes des oufs. Hein. Pas de gaz. Tout est fermé. Nous sommes confrontés à des sauvages et devons agir en conséquence. La lutte contre le Hamas est parfaitement légitime. Il faut le dire. La punition collective du peuple palestinien est injuste et est contre-productive. Il faut rentrer dans Gaza pour se rendre compte. Et au moins, lui, il a dit ça. Genre, franchement, lui, il est au PS, on est d'accord, il est au PS. Mais dégage. Alors, arrêtez les gens, moi, je suis désolé. Mais moi, j'en suis à un point où un gars du PS qui dit ça, je suis en mode, waouh, ouais, putain, c'est déjà ça de pris, mais de fou. Mais boumène, les gens, ils s'énervent. Genre, vraiment, les gens, je vous jure. PS, place publique, je vous jure, les gens, que c'est pas évident d'avoir rien que dire ça, c'est un truc qu'on peut plus espérer, tu sais. Vous rendez pas compte, les gens. Non, mais après, je suis d'accord, ce gars-là, c'est un hypocrite, machin et tout, mais d'oser. De ce qu'est la vie à Gaza et de l'enfermement dans lequel se trouvent les Gazaouis. Surtout, tu le vois, les gens, comment il l'a dit, les gens. Il a hésité, il sait que c'est un peu chaud. Regardez bien comment il le dit, le truc de « faut pas faire ça ». Regardez comment il a du mal à le dire parce qu'il sait que c'est chaud. La punition collective du peuple palestinien est injuste. Ça se voit, il bada mort. Il faut rentrer dans... T'as pas compris son propos. Mais c'est toi qui es un fils de pute qui comprend rien. Bien sûr que si j'ai compris son propos, pour bien lutter contre le Hamas, faut être malin et faut pas dresser la population contre nous si on l'attaque de manière aveugle. Et si on tue des gens pas du Hamas, ils vont encore plus nous en vouloir et rejoindre le Hamas. Donc si on veut détruire la seule force de résistance palestinienne bien, faut pas tous les tuer d'un coup. J'ai très bien compris ce qu'il a dit. C'est juste que je vous dis que putain de dire ça... Bon, vas-y, bref. En Gaza pour se rendre compte de ce qu'est la vie à Gaza et de l'enfermement dans lequel se trouvent les Gazaouis, pas simplement l'enfermement physique mais l'enfermement mental, où vous avez des Gazaouis qui ont 40-50 ans, qui ne sont jamais sortis de la bande de Gaza. 40 ah oui. km sur 10 km de large. Hein. Et qui sont complètement enfermés 2 millions, les gens. Dans cette bande. 2 millions de personnes dans le bordel là, là-dedans là. 2 millions de personnes avec la flotte est empoisonnée. Ça fait 3 générations, ils sont dans le bordel. Bref. Oui, c'est pareil des deux côtés. C'est à peu près la même chose, en fait. Et sans aucune perspective en raison de cet enfermement. On veut mourir en martyr. On veut préserver notre nation. Dans le Coran, il est écrit « Ne croyez pas que ceux qui sont morts dans la voie de Dieu sont morts. Ils sont bien vivants auprès de Dieu. Et ce que dit Dieu, c'est vrai. » Il y a une chose qui est certaine, il n'y aura pas de paix durable sans État palestinien. Il n'y a pas de civils. Ils occupent notre terre, notre territoire. Ce ne sont pas des civils. Ouais, te rappelles ce qu'on disait avec Wissam, la lecture civile, elle rentre même plus en compte. Alors, à raison ou à tort, etc. Mais genre, c'est ça qu'il faut comprendre aussi pourquoi ça en vient là. Pourquoi ça en vient là? Parce que dans la tête des Palestiniens, c'est pas des civils. C'est des colons. C'est plus des civils. Après, tu peux le regretter, trouver qu'il faudrait quand même faire une différence, etc. On peut en discuter. Mais il faut comprendre que les actes sont pas faits du point de vue de « on tue les civils aussi ».
C'est pas ça qu'il y a dans leur tête. Après, on peut discuter de s'ils ont raison ou tort. Mais c'est pas le même référentiel. Qu'ils soient d'extrême droite, que ce soit des colons ou des gens de gauche, ils ont tous travaillé ou travaillent encore pour l'armée israélienne qui tue notre peuple. Je crois, et j'ai envie de vous dire ce soir, parce que justement je reviens pétri de toutes ces rencontres de militants palestiniens et israéliens courageux, que les seuls vrais résistants qui existent... C'est quand même abusé comme référentiel. Toi, tu penses que qualifier les Israéliens de colons, c'est abusé. T'es sûr de toi? Les Israéliens sont pas des colons. Est-ce que tu veux discuter de la légitimité de tuer des colons israéliens ou discuter du fait de les qualifier comme ça? Parce que c'est deux discussions totalement différentes. À un moment donné, qualifier un Israélien de colon me paraît tout à fait soft et acceptable. La discussion de s'il faut tuer tous les colons israéliens aveuglément est une toute autre discussion qui, là, je suis d'accord avec toi, est bien plus complexe et amène beaucoup plus de questions et où là, ça serait beaucoup plus compliqué. Mais si on pouvait au moins se mettre putain d'accord pour les appeler des colons, c'est une dinguerie. Bref. Vraiment, je vais m'énerver. Et d'autres de ce conflit, ce sont précisément les gens qui luttent aujourd'hui pour la paix et pour la justice. Ces gens dont on a trop souvent invisibilisé les voix, qui donc doivent déjà effectivement faire ce travail. Quand je parle de lutter contre soi-même, c'est d'être capable. Tuer tous les Israéliens, c'est une question complexe. Bah, pour les gens en Palestine, quand ils attaquent des gens et qu'ils les voient comme ça, c'est la question qui se pose, les gens. Mais genre, personne en France et aucun militant pro-palestinien à l'extérieur est pour ça, en fait. Rassurez-vous. Genre, justement, le problème, c'est ça. C'est bien pour ça que tout le monde est en mode « Go faire un État avec égalité des droits ». C'est bien que pour ça, tout le monde crie et pleure pour ça, quoi. Voilà quoi. Mais pour partir du principe, pour pouvoir faire un seul État, va falloir reconnaître qu'il y a des gens qui colonisent, quoi. De fait. Faut tuer tous les colons. Bah, enfin, je sais pas, genre, vous avez... Ça me paraît être une mauvaise idée. Évidemment. Faut faire deux États. Bah, ça, c'est le débat. Un État, deux États... Écoutez, les gens... A priori, maintenant, c'est plus la solution à un État. Apparemment. Mais alors, ce qui est déprimant, les gens, la vérité de ce qui est déprimant, c'est depuis quand ça a été... Enfin, plus ça va, plus c'est éloigné, quoi. Un État impossible avec l'antisémitisme arabe. Tu crois que c'est le seul problème? Le problème, c'est les Arabes qui sont antisémites. Ah, les gens, enfin, c'est une dinguerie de dire ça. Je suis désolé, c'est une dinguerie. Vous pensez pas qu'il y a un problème du racisme et de l'islamophobie de l'autre côté aussi? Genre, au moins, genre encore une fois. Faites au moins un signe égal, quoi. Au moins, genre, au moins ça, au moins dans vos positions un peu indécentes. Je sais pas. Bref. Mais en tout cas, la vérité, les gens, c'est que, puisqu'il y a bien un truc sur lequel tout le monde est putain d'accord, c'est qu'il y a des gens qui meurent et qu'il faudrait que ça s'arrête, qu'il faut donc trouver des solutions, et que continuer à coloniser des gens n'arrêtera pas le conflit. Donc peut-être qu'on peut faire une corrélation, de dire « des gens s'entretuent, je suis triste, d'accord ?» Donc, deuxième réflexion, faut qu'ils arrêtent de s'entretuer. Donc, troisième réflexion, faut arrêter la colonisation. Genre, ça me paraît pas être un chemin mental si compliqué, quoi. Après, la vérité, c'est à quel point on est loin de ça. Bah, alors là, bien sûr que c'est un vœu pieux, quoi.
de remettre en cause ses propres narratifs, de remettre en cause la manière dont on conçoit son identité, sa légitimité, pour être capable d'accueillir justement une autre vérité qui est celle de l'autre. Et si on pouvait, juifs et arabes, vivre ensemble, parce qu'on a les mêmes coutumes finalement, l'art de recevoir, la famille, le respect, les valeurs, la droiture, aimer ses parents de façon absolue. On est élevé pareil en vrai. C'est pas ça le problème. Enfin. Enfin, c'est là que tu vois, les gens ils sont délus quoi. C'est pas un problème de conflit, de clash culturel. J'ai cru aller dire on est tous les deux circoncis. C'est pas un problème de clash culturel. C'est un problème de colonisation, on en revient à ça quoi. Et ça, le truc un peu guerre de culture, guerre de religion, c'est vraiment la vie de merde qui permet de pas réfléchir au bail, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est l'image que chacun espérait enfin, celle de deux hommes venus répéter et montrer à la face du monde qu'ils ont choisi. On en est loin de ça. Hein. Il faut un seul détail la plus circonsistant, ouais, ouais. Ah, j'en peux plus, hein. C'est épuisant. Allô ? Allô ? D'où ça vient, cette merde ? Ah oui ! Qui sont les serial killers Inoxtag ? Mais va te faire enculer ! C'est une dinguerie ! Au secours ! C'est une dinguerie ! Inoxtag, mon cul, là. Oh ! Ah. Ah là 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 là. C'est moi, hein. Avec la zig d'Harry Potter, c'est Harry Potter. Le fait que vous ayez reconnu la zig d'Harry Potter en trois notes me rend malheureux sur mon chat. Me fait dire que rien ne va en fait. Il est où Dany? Il est dans ton cul. Regarde bien profond. Mets-y trois doigts là. C'est moi, hein. J'ai pas reconnu Nick les Potterhead, ouais, ouais, ouais. Supportable, hein. On veut Dany.jpg. Non, t'auras rien du tout. Oh. Merci, Necrofantasia. Ça fait mal, trois doigts. Trois doigts, petite nature, c'était mal pour trois doigts. Pour moins de trois doigts, Dany sort pas. Pour moins de trois doigts, Dany ne jouit pas. Non, en vrai. D'ailleurs, hein, n'oubliez pas, hein, regardez la barre en bas. Je révèle un secret sur Dany. N'hésitez pas à donner du fric. Hein. Rasez plus en squat. Oh, c'est une blague. J'espère que c'est la blague la moins drôle. Et si c'est premier degré, t'es une merde. Insupportable. Hein. Rase va bientôt s'énerver. Mais vous êtes énervant. Oh. C'est horrible. Hein. Dany a été banni. Ouais, il est banni de Twitch, ouais. Exactement. C'est bon. Hein. Raz n'a plus de souris. Oui, oui, oui. Dany est une femme trop drôle, trop marrant. Oh, vous m'avez saoulé. Ah, ça m'a saoulé le début de live insupportable là. J'espère qu'ils se sont barrés les bandeurs là. Il est 7h48. Sonia De Villers, votre invitée, publie ça, déjà un livre qui s'intitule L'amour. Pourquoi je regarde ça? Qui peut me dire pourquoi je regarde cette merde? Qui peut me dire pourquoi je regarde ça? C'est une dinguerie de vouloir mettre ça. Je vais regarder, hein. Vous avez voulu regarder ça, on va regarder, hein. 96 pages, publiées aux éditions Verticales, et déjà un franc succès en librairie. Bonjour François Bégodeau. Bonjour. Est-ce que vous croyez au coup de soleil? François, divertis-moi, François, s'il te plaît, divertis-moi. S'il est chiant, je n'aime plus François Bégodeau. C'est bon, j'ai décidé. S'il est chiant, je lui ai... Merci Ben Ardu, hein, merci beaucoup. Vous croyez au coup de foudre? Eh ben non, je crois pas du tout au coup de foudre. En tout cas, ce livre ne fonctionne pas sur le mode du coup de foudre. Enfin, au début, Jeanne a un coup de foudre, mais pour l'homme qui ne sera pas le bon. Et la façon dont Jeanne et Jacques, puisque ce sont mes deux héros, vont s'entreprendre l'un l'autre et s'aviser l'un l'autre, n'est pas du tout sur le mode du coup de foudre. Attends, s'entreprendre l'un l'autre, c'est une manière de parler de cul ou... Ils vont au contraire s'apprivoiser petitement, de rendez-vous en rendez-vous, de hasard en coïncidence. Vous ne croyez pas donc à la passion?
Alors si, ouais. Bah, c'est pas que j'y crois, c'est-à-dire qu'on constate que des gens sont passionnés. Enfin, il m'est arrivé d'observer dans ma vie des gens qui étaient sujets à la passion, ou assujettis, je dirais plutôt à la passion. En général, c'est pas un spectacle qui me réjouit plus que ça. Et moi-même, ayant été passionné par moments, ça nous est arrivé de tomber dans cette maladie-là, je me suis pas beaucoup aimé passionné. Donc je préfère sans doute une modalité plus tendre et calme de l'amour. Jacques et Jeanne commencent leur histoire en 1971, comme en témoigne l'agenda de la demoiselle. Dans le... Pourquoi vous m'avez envoyé ça ? C'est Jeanne et Jacques. Maine-et-Loire. À chaque fois, Bégodeau, de toute façon. À chaque fois qu'on mate Bégodeau, on n'a pas envie. Je suis d'accord avec lui. Mais il a dit quoi ? Il a dit qu'en gros, il n'allait pas avoir des coups de foudre, quoi. Oui, lui, il veut que baiser Pécresse, de toute façon. L'agenda la redoute, ils vont s'aimer, vous l'avez dit, d'un amour, comment dire, sans émoi, sans trépidation, sans heurts non plus. Le premier rapport sexuel, on s'organise. Le mariage, on s'organise. Le bébé, bah où est-ce qu'on va le mettre? On n'a qu'à lui laisser la chambre dans et frigo. Mettre notre lit dans le salon. On achètera un canapé-lit, ils sont en promo chez Confo. La mort aussi, on s'organise. Oui. J'arrive pas à écouter. Pourquoi la... Bon, après, j'avoue, Confo, j'avoue, c'est la mort un peu. J'ai pas compris le lien entre Conforama et le décès. S'organiser, c'est s'aimer. C'était, je pense que souvent, un couple. Ah, j'ai capté, qu'en fait, ça y est, j'ai compris. Je suis capable d'expliquer. J'ai compris. Il a fait un livre sur la banalité de l'amour. Il a fait un livre en position s'aimer, c'est aller à Confo. Et mettre des magnettes sur le frigo. C'est ça l'amour, c'est ça la thèse du livre un peu. Quand un couple dont je postule que de l'amour l'irrigue, mais c'est d'abord un couple, et un couple ça s'organise, surtout quand le couple s'engage comme ça dans une vie durable, donc effectivement c'est immédiatement des considérations matérielles, tous les couples savent ça, et moi j'ai pas de cynisme ou d'ironie par rapport à ça, une légère ironie tendre, mais pas plus que ça. Oui. Parce la que, vie bah, est si... une... Bon. Ironie tendre, ça m'a... Désolé François, je suis pas dans le mood aujourd'hui. Désolé François, c'est avec une tendre... un tendre ras-le-bol, mais c'est pas contre toi ou ton livre, quoi. Désolé François, pardon François. Comme d'hab, c'était pas le moment de regarder une vidéo où tu parles. À 13h55, il parle de Palestine, ah bon ? C'est 9h47 la vidéo, alors toi... Toi, 24 heures dans ta gueule de petit fils de pute de merde. Petite merde, va. Sale merde, va. Hop, 24 heures, c'est bon. Hop, ça dégage. Alors j'en ai marre, c'est pas possible. J'en peux plus, hein. Putain, c'est en noir et blanc. Mais c'est une dinguerie. Ah, c'est vrai que c'est Arte en fait. Oh non, oh, j'ai pas envie. Le boulot le plus dur du monde de grandir, mais on va te mettre dans une mine, on va voir si c'est... Non, mais faut comprendre. Les errements de la jeunesse. And that's a lot harder than staying in the same rut and going along year after year. Doing the same thing and thinking the same things and living the exact same way. Alors les gens, c'est un documentaire sur pourquoi vous vous révoltez les jeunes. Oula ! Ah, je sens qu'il va y avoir des gens à poil dans le truc. Oh putain. Attendez. Attendez les gens. Quelqu'un peut aller vérifier s'il y a du nibar dans le bordel ? Est-ce qu'il y a du nibar ? Oula, 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 oula ! Ça m'a l'air d'être nibar. Oh ! Je crois que j'ai vu... Oh, top, top, top ! J'ai vu des nibars ! 5 nibars ! Est-ce que là, il y a du nibar, là ? 28,55 ! Oh, putain. Oh, putain, il va y avoir des gens à poil tout le temps. Bon. Vingt-quatre trente.
Avoir 20 ans et une énergie prête à tout emporter, tout questionner. Pourquoi tu mythos ? Tout espérer. Oh, je vous en supplie, mythonnez pas. Les jeunes crient leur colère, leur désir. Ils se moquent des anciens et de ce qui les a fait vieillir. Mais pourquoi il y avait Théo Babac, regardez ? Vous avez vu Théo Babac ? Leur désir. Ils se moquent des... Non, un peu, non ? Vite fait, non ? C'est Théo Babac Butch ? On est d'accord, un peu. Non ? C'est raciste ? Ah bon, vous trouvez... Non, vraiment ? Les anciens et de ce qui les a fait vieillir. Bon, bah, peut-être ils brisent raciste, des tabous. Désolé, peut-être que c'était raciste, un peu. S'émancipent et érigent des idoles qui tomberont à leur tour. Notre jeunesse est le moteur de la vie. De génération en génération, elle crée un monde à son image, transforme les modes de vie et pour un temps aussi éternel qu'éphémère, change le cours de l'histoire. Ah ouais. Livres, films, chansons, poèmes... Ah, Beavis et Butt-Head, c'est Dany et moi, ça. Vous connaissez Beavis et Butt-Head ou pas? C'est un dessin animé de fou. Et dans le film, genre, ils veulent juste trouver une télé. Et ils traversent les États-Unis, ils sont en mode... Trop stylé, Beavis et Butt-Head. Photographie. Depuis 70 ans, la jeunesse ne... On n'a pas 45 ans, mais va baiser ta mère! C'est les années 90, ça va! Cesse de transgresser son époque. Et derrière ces visages inconnus, célèbres, vivants ou disparus, nous retrouvons les mêmes envies. Avoir une prise sur le monde, se sentir libre et vivant. Oh ouais. Un truc incroyable, on des fuck et tout, ouais. Bah, trouvez-moi les gens à poil par contre. Je vous en supplie, trouvez-moi les gens à poil. Je vous en supplie, c'est important. En plus, mes scènes, elles marchent pas. Attendez. Attendez, faut que je... Attendez. Par contre, fermez-la, je vous en conjure, taisez-vous. Je vous en conjure, allez vous faire enculer. Je vous en conjure, taisez-vous, hein. Ah, ça marche, c'est bon. Oui. Ah. Notre histoire commence ici, dans la... Bah, elle commence trop loin, écoute. C'est en noir et blanc, ça me casse les couilles, j'ai la flemme. Ça me fatigue. Vous pouvez pas commencer après ? France d'après-guerre. À Saint-Germain-des-Prés, la jeunesse pousse son premier cri libérateur après des années de privation. Tu vas pas vraiment regarder ça ? Vous avez dit qu'envoyer des vidéos, c'est une dinguerie ! Envoyez des vidéos si vous avez des vidéos mieux ! Bande de merde ! Oh ! Cette époque pouvait enfin être la leur. En vrai, ça a l'air basé, en vrai. Les jeunes sortent, boivent, draguent, se traînent au café, à côté des écrivains, des philosophes et des nouveaux prophètes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bébé Jacques, vous êtes des bâtards. Mais je vois ce que vous voulez dire. Le soir, ils vont écouter du jazz dans les caves où ils s'étaient cachés durant l'occupation. Qu'est-ce qui se passe ? C'est
Greg Stewart, en visite. Le régime de Vichy avait décrété que c'était une musique de dégénéré. Mais après la guerre, le jazz devient la musique du réveil de la jeunesse. Les maîtres de la discipline sont les musiciens afro-américains. Eux, qui subissent de plein fouet la ségrégation dans leur pays, trouvent à Paris un espace de liberté comme nulle part ailleurs. C'est chiant à mourir. C'est là, le jazz, c'est la liberté, c'est le truc un peu contre-courant. Et après, il y a eu le rock des hippies, et après, il y a eu le punk, et après, il y a eu ça, et maintenant, c'est la musique électronique. Je suis sûr que ça va être rien. Je vais cliquer au hasard, ça va être des hippies, regardez. Prôner voilà. L'amour universel, jouir sans entrave, explorer de nouveaux champs de conscience. Hate Ashbury à San Francisco attire tous les moins de 30 ans qui veulent réinventer leur vie autour de valeurs de partage, de gratuité et d'entraide. Attendez, va pas y avoir... Attendez, là, c'est le moment Nibar, c'est sûr et certain, c'est le moment Nibar. Ce qui fait le ciment de cette tribu, c'est le LSD, la molécule miracle des tripes psychédéliques. Les hippies veulent dérégler leur sens pour dérégler l'ordre du monde. I think it probably would be for the better because you look at the forces like around the world, the negative forces and the positive forces, and you look at who are the people that are taking acid and who are the people. Oh, ça me casse les couilles, j'ai juré, ça me casse les couilles. Y'a pas une vidéo bien là, les gens, je vous en supplie, trouvez-moi une vidéo là. On s'emmerde trop, ça c'est trop chiant, j'ai juré, c'est trop chiant. Jérusalem, Ramadan sous tension. Non, va te faire enculer. C'est... Toi, je te banne. Hop, toi, tu prends 24 heures. Paf. C'est quoi ça? Making side beat on Twitch. Toi, je te banne. Hop, tu prends 24 heures. Tac. La vie quotidienne dans l'empire de Poutine. Des répercussions sur sa TDAH. Ah, on peut se moquer des TDA si vous voulez, j'ai le droit en plus, je suis TDA. Milena Glimbowski est hyperactive. J'ai fini. Je vais renvoyer cette partie du manuscrit. Je ne peux pas rester elle assise. Elle est pas TDA, elle. Elle est pas TDA, c'est rangé chez elle. Je vais vous montrer mon bureau, j'ose pas. Mais elle est pas TDA, déjà, j'y crois pas, ça. Juste... Elle n'a été diagnostiquée. Ah mais non, c'est ce qu'elle est allemande, mais oui, vous avez raison. Les TDA allemands, ils sont plus organisés que les TDA français. Mais oui, c'est logique, c'est logique, c'est le bruit des bottes du TDA. C'est le bruit des bottes. Kek a 22 ans. TDA, c'est trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Physiquement, je ne tiens pas en place. Je dois bouger. Je ne peux pas rester à rien faire. C'est pas possible. On a longtemps cru que le trouble de déficit de l'attention avec... Après, je suis désolé, le TDA, c'est pas une excuse pour avoir des tableaux dégueulasses chez toi. C'est quoi cette merde-là? C'est quoi ça? Pour moi, ça, c'est un truc genouné. C'est pour prendre ton âme. Genre là, en plus, je crois que c'est une peinture de son gosse. Regardez, on a vu son gosse juste avant. Pour moi, regardez. C'est une manière de contrôler ce gosse. C'est-à-dire qu'elle a pris l'âme de ce gosse, elle l'a mise dans la peinture, elle lui a appris tout esprit critique, toute autodétermination. Ce gosse a le cerveau lavé. Il ne peut plus prendre de décision par lui-même. Elle l'a kidnappé dans la peinture, là. Il est dedans à tout jamais. Je vous jure, c'est vrai. Je vous jure, c'est vraiment ce qui s'est passé. TDAH ne touchait que les enfants. Mais 5% des adultes en souffrent, bien souvent sans même le savoir. C'est le scénario de Luigi's Mansion. Vas-y, mais vos rêves, c'est un... C'est le scénario de Luigi's Mansion. Il a un aspirateur, il aspire les fantômes. Et le jeu est nul à chier. Elle est TDA, elle. Bon, d'accord, elle est TDA. Non, mais je vais... Après, je pense quand même que quand t'es allemand... En plus, c'est les deux Eberswalde. Pas du tout.
J'ai un TDAH, mais ça va. Je peux faire des choses que d'autres ne peuvent pas ou ont beaucoup de mal à faire. Et il y a des trucs tout bêtes dont je suis incapable. Milena vit à Eberswalde, au nord de Berlin. Elle sait depuis 10 ans qu'elle présente un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Avec mon TDAH, je suis accro à la dopamine et à l'adrénaline. J'adore avoir... Du coup, elle vit avec son gosse nul dans une ville nulle, d'Allemagne nulle, dans une maison nulle, trop rangée, quoi. C'est ça, son pic d'adrénaline, c'est quand elle laisse traîner un verre, quoi. C'est une dinguerie. Par des succès rapides. Et ce n'est pas ce qui manque dans sa vie. À 32 ans, cette Allemande d'origine russe a déjà créé ou cofondé 3 entreprises. Comme ses Attends. Est-ce qu'elle les a créées, cofondées ? Est-ce qu'elles sont encore en vie ? Parce que peut-être qu'elle s'est ratée 3 fois dans ses créations d'entreprises. Hein. Commerce en vrac qui lui ont valu plusieurs distinctions, dont le titre d'entrepreneuse de l'année. Ah ouais, pèse de fou en fait. Ah ouais. Je fais figure d'exception. Je suis issue de l'immigration. Ma famille vivait du revenu minimum et pourtant j'ai réussi à m'installer à mon compte et à en vivre. J'ai trouvé ma voie, ce qui est génial. J'ai eu énormément de chance et j'ai été très soutenue. Mais il y a peut-être aussi une part de talent. Pendant 8 ans, les affaires ont bien tourné. Jusqu'à la pandémie de coronavirus qui a mené l'entreprise à la faillite. Ah, mais Milena... Elle n'a pas survécu au coronavirus. Boîte de merde, ça veut dire. Zawaprod, nous, on est devenus riches grâce au coronavirus. On voit la différence de santé des entreprises. Moi, je dis ça, je dis rien. Nous, on s'est bâti sur le virus, exactement. A su immédiatement rebondir. Ça devient... Rich, il a dit, oui, bon, oui, taisez-vous, hein. Ça vient. Foncez. C'est dans cet état d'esprit que j'ai créé mes entreprises et que je me suis lancée dans mes activités annexes. On apprend de ses erreurs. Un échec, c'est pas grave. C'est son anti-stress, sa serviette nulle, là. La jeune femme s'attaque déjà à son prochain projet, un livre sur la crise climatique. Je ne suis pas scientifique, je n'ai même pas de diplôme universitaire. Bah pourquoi t'écris là-dessus alors ? Je vais écrire sur la crise climatique, mais j'y connais rien. C'est comme si moi j'écrivais sur la crise climatique, quoi. Par pareil, tiens. J'y connais rien, je m'en bats les couilles, mais je vais faire un bouquin dessus, quoi. Mais mon grand atout, c'est qu'avec mon TDAH, je suis capable de me concentrer à fond sur quelque chose, de m'absorber, de rentrer totalement dedans. L'hyperconcentration, c'est le fait de pouvoir se plonger dans un sujet et de zapper tout le reste, d'oublier de manger et de boire. Donc du coup, c'est une macroniste. Non mais après, non mais c'est le truc des intérêts spécifiques, quoi. Genre quand il y a un truc qui te fait bander, c'est réel que tu go-in dedans comme un retard, quoi. Genre c'est vrai, mais écoute, si son intérêt spécifique c'est la planète, force à elle, hein. L'idée que les gens atteints de TDAH sont incapables de se concentrer est un mythe complètement faux. On peut focaliser son attention, mais seulement quand on veut. Malgré tout, Milena commet sans cesse des erreurs. Merde. J'ai fait une faute, je suis vraiment TDAH. Oh là là, j'ai sauté une ligne de trop, ça prouve bien que je suis TDAH. Pardon. J'ai complètement oublié cette source. C'est une faute d'inattention typique. Typique, j'ai oublié de copier-coller ma source. Vraiment, c'est... À l'école, j'en faisais énormément. Un autre effet du TDAH, c'est que, par exemple, le livre aurait dû sortir en mars. Mais je n'ai pas tenu les 2 premiers délais, parce que je n'arrivais pas à gérer mon emploi du temps. J'ai vraiment sous-estimé le travail que ça représentait. Bah alors, je croyais que c'était un buff ultime, le TDAH, bizarre. Ces difficultés que tout le monde connaît sont bien plus fréquentes chez les personnes ayant un TDAH. Milena doit apprendre à structurer son quotidien. Rendez-vous, événements de l'agenda, il faut que je note tout. Dans mon portable... Attends, moi, tout ce qu'elle fait me terrifie.
Ce que je trouve deep, mais après chacun gère comme il peut, c'est que tout ce qu'elle fait, moi, me terrifie. Sa baraque, son agenda, tout me met dans une terreur existentielle que... Je dois créer une alerte pour me rappeler que j'ai une visioconférence. Je ne peux pas me fier à mon cerveau, à ma mémoire. Si je le note pas, j'oublie. Il préfère oublier plutôt que de noter. Ah, de fou. Ah, de fou. Hein. Après, c'est moins pire sur téléphone. Les trucs importants, je le mets sur téléphone. Mais souvent, j'oublie de changer l'heure de l'alerte. Et du coup, si c'est après, l'heure de base, ça doit être, je sais plus quelle heure c'est. Mais en gros, si l'heure de base du rendez-vous de l'iPhone, qui je crois est 18h ou 17h, je sais plus, si c'est avant, je suis baisé. Parce que j'ai pas changé l'heure d'alerte. Mais si c'est après 18h, c'est bon. Donc en gros, sinon c'est la merde. Sinon c'est chaud. Du coup voilà. C'est difficile. C'est pas être TDAH, c'est être con. Oui bah ça va, respecte-moi, mais moi je suis pas TDAH de toute façon, c'est bien ce que j'essaie de prouver, je suis juste un feignant tête en l'air quoi. Si tous les feignants tête en l'air sont TDAH, c'est bon quoi. Amber, une amie d'origine canadienne, est venue lui rendre visite. Elle connaît Milena depuis 5 ans, mais s'étonne sans cesse de tout ce qu'elle sait faire et surtout de sa spontanéité. Mais là, on est d'accord que il y a des trucs, c'est des traits de personnalité, tu sais. En fait, ce que je trouve bizarre dans ce genre de docu, c'est qu'en vérité, nos trolls, j'ai aucun doute qu'elle soit TDA, mais être sociable, généreuse, machin, c'est des traits de personnalité, ça n'a rien à voir avec le TDA, c'est une dinguerie. Ah ouais, alors plus de Gaulle moins. J'aimerais réaménager la cuisine. Ça te dit? Ça ira vite. Aujourd'hui? Maintenant? Maintenant. C'est tellement TDA de vouloir réaménager sa cuisine. TDA, je suis pas TDA. Oui, on a compris. Oh, on a du déficit de l'ascension avec ou sans hyperactivité. Elle est là de l'hyperactivité. Oh. C'est du Milena tout craché. Il n'y a que toi pour sortir incroyable. Une idée comme ça, de but en blanc. J'ai envie d'une plus belle cuisine, ok? Ok, je suis là pour toi. Ça marche. Ça, tu sens vraiment Imo. Analyse médiatique, c'est Rhinocéros. Tu sens le docu qu'on dit « Tu veux pas faire un truc typical TDAH ?» Genre lui demander un truc out of nowhere, un peu chiant. Et bien montrer que t'es casse-couille avec tes amis. Et que tu leur demandes 5 minutes avant de changer toute ta cuisine et de faire des travaux qui prennent une semaine. Ça, c'est vraiment un truc de TDA, ça. Tu devrais lui demander ça. Elle est peut-être déçue de voir qu'il y a si peu de gens qui s'emballent tout de suite pour quelque chose, comme elle. La plupart diront... Tu fais jamais ça, Raz. Si ça un peu, ça j'avoue. Ça j'avoue un peu. D'un coup, ça me prend. Surtout, ce qui est insupportable, c'est que je m'en bats les couilles. Et à un moment, ça me prend un moment pas adéquat. Genre voilà quoi. Genre ça me prend d'un coup, mais ça peut être à 5h du mat, à vouloir faire un truc hyper chiant qui prend 4h quoi. Du coup, c'est complètement teubé quoi. Mais c'est normal ça, non? Mais oui, mais moi je suis d'accord avec vous que c'est normal. C'est des traits de personnalité, c'est des trucs de feignant. T'es un feignant, tu fais pas le truc à un moment où tu te dis bon, je vais le faire quoi. Mais voilà quoi. T'es TDA. Mais non, mais... T'es traité. Bah je fumais du shit avant. J'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé le shit. J'ai essayé l'héroïne. Et maintenant j'essaye de ne plus être pauvre. Et c'est ce qui marche le mieux jusqu'ici. J'ai été malheureux toute ma vie à cause du TDA. Et ne plus être pauvre a été ce qui a le plus aidé. Ça a été ce qui m'a permis d'aller le mieux possible. Donc je conseille, essayez. Essayez, ça marche bien. Non, aujourd'hui, je ne peux pas. J'ai ci ou ça à faire, pas avant la semaine prochaine. Mais pour Milena, la semaine prochaine, c'est dans un an. Je n'arrive vraiment pas à comprendre comment elle peut mener autant de projets de front. Pour moi, ce serait trop dur de gérer tout ça en même temps. Ah, je suis contente. Moi, le concept... de vider ta cuisine et de mettre tout dans des cartons, je ne le comprends pas. Moi, je veux faire ce qu'elle fait.
Moi, j'ai la technique de Fort Boyard. Vous savez ce que c'est la technique Fort Boyard ? C'est tu prends ton t-shirt et tu prends un bras, tu fais glisser toute l'étagère dans ton t-shirt et tu fais tout retomber par terre plus loin. C'est la technique Fort Boyard. C'est la technique pour prendre les pièces dans Fort Boyard. C'est quand même vachement plus simple que de se faire chier avec des cartons, quoi. Bah, réel, non ? Rien compris, mais vous avez jamais vu Fort Boyard ? Ah oui, sinon il y a technique de porter quelqu'un, mais je parle quand je suis tout seul, mais j'essaierai en portant quelqu'un. Personne te croit, bah si tu savais. Tu m'as jamais vu déplacer des trucs, ça se voit. Je voulais me dépêcher pour qu'on puisse boire un café. Il fallait faire vite et voilà le résultat. Ce qu'il y a de bien avec le TDAH, c'est que je me plante souvent. Mais je suis tellement créative que je trouve toujours une bonne solution. Donc tout va bien. Le problème d'elle, c'est pas qu'elle a un TDA, c'est qu'elle est putain de prétentieuse. Je suis vraiment créative, je trouve toujours des très bonnes solutions. J'ai écrit un livre sur la planète, j'y connaissais rien il y a 2 semaines. Oh, mais ça t'a fini de t'auto-sucer 2 minutes, c'est une dinguerie. Et là, ils ont rien foutu, ils ont mis 2 trucs dans un carton, ils boivent déjà un café. Oh, bah d'accord, c'est pas prêt d'être fini son histoire. Hein. Oula! Tellement TDA, ils ont oublié de regarder leur tête dans un miroir, voir qu'ils ont des coiffures de Golemon un peu. Hein. Ceci est un rappel. Lève-toi et prends ton médicament. Oh putain! Ah ouais, lui, il a l'air d'être... Oh putain! Lui ou elle, je sais pas qui a la rappel médicament, mais là, on a l'air d'être à un level de TDA très élevé. Hein. T'as carrément Alexa qui te parle pour dire « Prends ton médicament après. » J'avoue, il faudrait que je prenne mon médicament, moi aussi, un moment. J'avoue, j'y ai pas pensé. Je sais pas où ils sont. Je les ai perdus, bon. Samantha ouais. Brown présente elle aussi un TDAH. Elle a réaménagé toute sa maison et le matin... Un appareil lui rappelle automatiquement de prendre ses médicaments. Et puis, elle a accroché partout des listes de tâches à effectuer. Alors, Docteur Raz trouve que là, on est déjà plus sur un level Iliès du TDAH. Parce que si vous voulez voir une vraie expérience TDAH, vous suivez Iliès OMG sur Twitch. Et vous verrez, ça ressemble à ça déjà. Ça store partout. Ça change de... Ça, genre, direct corporellement... Il y a un truc TDA déjà. Chaque jour. C'est indispensable au bon déroulement de sa vie quotidienne. Ça paraît ridicule, mais le fait d'avoir une décision à prendre peut me paralyser. Je ne peux pas bouger de la journée, je suis au lit et je ne sais pas quoi faire. Ça, c'est tellement réel, ça. Ça, c'est tellement réel, ça. En fait, le truc, par exemple, tout le monde s'est moqué de moi sur ça. Mais je suis pas allé voter à cause de ça. Bref, on va pas en reparler. C'est un sujet trop sensible. Mais vous avez été psychophobe avec moi. Dites-vous les gens que quand j'ai un rendez-vous le lendemain, je ne peux pas dormir. Dites-vous les gens, je dois aller prendre un train souvent pour aller à Caen, pour aller chercher mes médocs. Et genre, si je ne vais pas les chercher, je sais que je vais être mal au dernier degré. Je ne peux pas dormir. C'est impossible. Et je ne peux rien faire. Je suis obsédé par le fait... que je vais devoir aller prendre un train à un moment. Et c'est une torture. Mais dites-vous que j'en ai des sueurs et tout. Genre, j'ai des sueurs, vous savez, les sueurs de Golemon, là, où ça sent l'angoisse à la fin. Tu sais, tu sens l'ammoniaque tellement t'as angoissé. Tu sais, c'est comme quand, genre, comme quand tu t'es tapé avec quelqu'un ou que t'as flippé un truc et tout. Genre vraiment, une angoisse. Mais une angoisse qui donne des tremblements fragiles. Mais va te faire enculer, va... Bref. Vous avez aucune empathie, c'est ça qui est une dinguerie. James souffre du même trouble que sa femme. Pour contrer leur maladie, ils ont mis au point de précieuses stratégies. La sueur de l'entretien d'embauche nulle. Oui, exactement, exactement. Tu sens la pisse. Oui, voilà, je sens la pisse, exactement, oui, exactement. La routine est importante quand on a un TDAH. Ah, non, mais lui, il mérite pas de vivre. Pourquoi ? Analyse de l'image. Attendez. La routine est importante quand on a... Qu'est-ce qui, sur cette image, vous choque ? Exercice.
Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous donne envie de le tabasser? Les AirPods, les gens. Qui met les AirPods qui sortent de tes oreilles comme ça? Je t'en supplie, sois un mec normal. Mets tes AirPods inclinés vers le bas légèrement, qui suivent la ligne de ton oreille. T'as un petit trou là, là. C'est pour que le pied de l'AirPod rentre dedans. Tu mets pas tes AirPods n'importe comment comme ça. Tu respectes les gens. C'est une dinguerie de faire ça, je suis désolé, c'est trop grave. Mais ça, tu sais, c'est pour moi, ça, c'est du level de genre quelqu'un qui a un poil qui sort du pif, ou un truc comme ça, tu sais, ou genre une crotte de nez, ou j'en sais rien, quoi. Tu vois ? Genre vraiment, ça, moi, ça me trigger. C'est plus esthétique comme ça, mais là, toi, tu vis dans un monde où plus rien n'a de sens, en fait. Je suis désolé, c'est... Après, c'est vrai qu'il a des oreilles bizarres, attendez, vous avez... On a l'impression qu'il... En fait, peut-être que si... Ah ouais, vous avez raison. Il y a un jour ici, normalement. Attendez. Normalement, il n'y a pas ça, là. Non, il n'y a pas... Attendez, j'ai un doute. Attendez, il faut que je fact-check. Attendez. Ça ressemble à quoi? Attendez, je vais mettre AirPod dans oreille. Image. Ah oui, oui! Ah voilà, regardez. Attendez. Voilà. Regardez. Là, on a une position normale de l'iPod, de l'AirPod. Alors que dans le documentaire où je sais plus où il est, je l'ai perdu. C'est horrible. Bah, il est où? Bah. Ah. Attendez. Oh non, j'ai fermé la fenêtre. Hop. J'ai fermé le documentaire. Oh, j'en peux plus. Je ne peux pas bouger de la journée, je suis au lit et je ne sais pas. La liste que j'ai dressée la veille avec les tâches importantes. Ils ont mis au point de précieuses stratégies. La routine est importante quand on a un TDAH. Au travail, je commence toujours par regarder la liste que j'ai dressée la veille avec les tâches importantes à effectuer dans la journée. Et moi, j'ai un problème, les gens. Moi, j'ai un problème. C'est que la liste, je suis persuadé que ça aide. Mais genre, le problème, c'est de penser à la faire. C'est ça le problème. C'est-à-dire que moi, il me faudrait un tableau pour me dire d'écrire le tableau. C'est pas possible. Maintenant, je ne fais même plus de pause parce que parfois, c'est très difficile de reprendre une activité après s'être arrêté. Ah, ça, c'est réel, ça. Ça, c'est réel de fou, ça. Le truc, une fois que t'es lancé, faut plus jamais s'arrêter. Sinon, après, c'est fini, quoi. Je commence le travail très tôt, en général avant 6h30. Pour moi, c'est le meilleur moment de la journée, celui... Ah ouais, pareil, ouais, de fou, ouais. ...où j'ai le plus de facilité à me concentrer. Après 14h, mon cerveau se focalise sur d'autres choses. Je commence à gamberger et je suis moins performant. Tous deux peuvent travailler à domicile. James est biologiste et Samantha, employée administrative. Elle laisse toujours à portée de main tout ce dont elle a besoin, car elle a tendance à oublier des choses aussi vitales que boire et manger. Réel ça. Moi, c'est pour ça que les gens ils disent qu'il y a du bordel sur ton bureau. Mais c'est parce que si c'est pas à portée de main, j'oublie de les utiliser. Genre là où j'avais pas mes médicaments sous les yeux, j'ai pas pensé à les prendre. Donc je commence à être en PLS. Voilà. Après, le fait qu'il y ait 12 canettes de coca vides, à quoi ça pourrait me servir? Je sais, c'est pour pas oublier de les jeter. Ouais, ça a pas trop de sens, en fait. Mais j'en trouverai une. Ceci est un rappel. Sam, prends ton médicament. Voilà. Ça fait des standards, je fume plus. Mais oui. Mes médicaments sont dans un flacon doté d'un minuteur. Comme ça, je peux vérifier quand je l'ai ouvert pour la dernière fois. Il faut quand même préciser que ça ne marche pas toujours. Voilà, c'est un truc de fou, ça. Mais moi, il me faudrait ça, mais pour l'inverse. C'est que ça... Moi, il me faudrait un médicament pour me dire « Non, tu l'as déjà pris il y a 20 minutes !»
Parce que des fois, je suis là en mode, putain, c'est bizarre, je suis foncedé un peu, je comprends pas. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai pris 3 fois mon médicament au lieu de le prendre qu'une fois. Ce qui est une catastrophe, ce qu'il faut jamais faire. Et je suis en mode, mais pourquoi je suis foncedé, je comprends pas. Bref. Et du coup, il me faudrait ça pour me dire, non, c'est bon, tu l'as déjà pris. C'est... Arrête. Vraiment, faut arrêter tout de suite. C'est assez courant chez les personnes avec un TDAH. On trouve un système et on se dit, c'est bon, ça va changer ma vie. À partir de maintenant, je serai hyper organisée. Oh, et le lendemain, oh, on oublie... Ça, angoisse ça. Là, voir cette image-là, là, me donne des sueurs. Je vous jure que ça me fait bader. Je vous jure que je suis... Là, je suis terrifié, là. Parce que je vois là. Ça me... Je suis traumatisé. Complètement que ce truc existe. Samantha a trouvé un moyen en plus, de découvrir. D'accord, les gens. On est d'accord que quand tu commences surligner pour mettre des trucs en évidence, on est d'accord que c'est basé. Mais quand t'as tout surligné, tu vois plus rien en fait. Ça veut dire que tout est en évidence, donc autant rien surligner ou enfin ça. Bon bref. Après, peut-être que c'est une to-do list et qu'elle met en vert ce qu'elle a déjà fait. Dans ce cas, c'est basé. Ça veut dire qu'elle a presque fini là. Donc c'est basé du coup. Peut-être que c'est ça. Compressée lorsque le système ne fonctionne pas et qu'elle se sent dépassée. En bas. C'est fait. Alexa, éteins la lumière. Oh là là. Oh, c'est trop bien ça. Oh putain. Oh putain. Elle la vérité les gens. Elle est à un level de gestion. Et les gens, la vérité, elle est trop forte. Elle arrive à faire un taf administratif en étant à ce niveau de TDA, franchement, force elle. La vérité, les gens, en dehors du troll, la vérité, franchement, elle est déter de fou. Hein. Elle est vraiment déter parce qu'en plus, elle fait un taf qui est vraiment pas TDA compatible, quoi. Genre. Parfois, je n'en peux vraiment plus. Alors j'allume ces lumières et je prends un peu de temps pour moi. Ça m'aide à déconnecter et à me calmer. C'est très important d'avoir cet espace pour moi. Toutes les personnes atteintes de TDAH n'ont pas ça. Moi, si. Milena a un fils de 4 ans. Elle s'est séparée récemment du père. Merci, c'est trop. Elle a la garde de Karl une semaine sur deux et doit sans cesse se rappeler qu'elle est responsable de lui. Déjà, fallait te rappeler de pas lui acheter ce truc avec un chapeau pointu, là, ridicule. Une cagoule. Non, mais là, ça, pour moi, c'est vouloir faire du mal à vos gosses. De les habiller comme ça. Et de leur mettre des cagoules comme ça. C'est presque pire que les enfermer dans un tableau. Hein. Rase enfant. Non. Ah non, pas... Non, non, ah non. Respecte mes darons, quand même. Une cagoule dégueulasse, ça... Ça aurait pu arriver. Moi, ce que j'avais, que je détestais... J'avais une casquette en polaire avec des oreilles, là. Vous connaissez ça? C'était une casquette en polaire, mais elle avait des oreilles en polaire sur les oreilles. J'étais traumatisé de ce truc-là. C'était horrible. En plus, c'était une casquette genre Décathlon. Ça avait violette avec des reflets jaunes, oranges, et les trucs vraiment années 80 dégueulasses, là. Traumatisé de cette casquette-là. Non, non, pas une chapka. Vraiment une casquette lame, tout en forme de casquette normale. Avec la truc plate, en polaire, avec un truc qui faisait ça sur les oreilles, quoi. Un truc immonde, quoi. Ne tombe pas. Je vais ramasser quelques cailloux. Oh putain. Je dois bien penser à garder un œil sur lui, parce qu'avec les canards, les oiseaux et tout le reste, il y a énormément de stimuli. Oh putain, mais elle va perdre son gosse en regardant un canard. Oh putain. Ah bah il se noie en fait. Il est mignon le petit canard. C'est comme si je recevais toutes les informations en même temps, sans avoir de filtre. Là, il est dans la flotte là. Il faut vraiment que je me concentre pour ne pas me laisser distraire, ni oublier de surveiller mon fils. Et imagine, le gosse il était derrière, bon là c'est... Là, c'est bon, là, c'est fini, là. Il y a juste, bon, c'est pour moi, faut une assurance vie. C'est tout ce qui reste à faire. Sinon, elle s'accroche à lui. Vous vous rappelez les laisses de chien? Moi, ça me fascinait quand j'étais petit. C'est les laisses de chien qui s'allongent, là. Ça fait...
avec un fil. Bah moi j'ai genre tu mets le gosse avec ça, harnais, laisse qu'il s'allonge et au pire s'il est dans la flotte, tu tires, tu vois, tu retires dessus quoi. Umdrehen? Tourne-le et tiens-le comme ça. Loin de toi pour ne pas te couper un doigt. Voilà. Là, je dois faire attention à lui. Je ne peux pas. Attends, mais il y a. Alors, basé d'apprendre à tailler des bouts de bois, mais avec un couteau à bourron qui coupe pas, limite, tu vas te faire plus mal. Théorie, pourquoi? Parce que tu vas forcer comme un golemon parce que ton couteau coupe pas, et c'est là que tu vas finir par ripper et te faire mal. Alors qu'avec un couteau qui coupe bien, t'as pas à forcer, du coup, t'as pas à faire des mouvements de golemon. Bref. Pas faire autre chose, même si ça m'ennuie de passer mon temps à le regarder. Tu t'es fait mal? Non. Pas sur la jambe, mon cœur. Tu dois bien le tenir avec la main. Sinon, tu te feras mal au genou. Quand j'étais enfant, je me retrouvais souvent à la clinique de traumatologie d'Hanovre. Il m'arrivait toujours quelque chose. Par exemple, je surestimais ma capacité à grimper sur un arbre. Ou alors je trébuchais sur un objet. Des coupes de zinzin. Ah ouais, c'est bizarre, mais peut-être que... Peut-être qu'il était basé, mais ah bon, peut-être. Eh bien, écoute, dans ce cas, forcelle, alors. Je peux même pas dire combien de fois je me suis foulé ou cassé un orteil. Sa mère, Ludmila Glimbowski, s'en souvient bien. À leur arrivée en Allemagne, Milena avait 6 ans et elle a tout de suite été scolarisée. Elle ne parlait pas allemand, mais a vite appris. À l'époque, déjà, ses parents voyaient bien qu'elle s'ennuyait rapidement. Mais il n'imaginait pas qu'elle puisse présenter un TDAH. Elle a voulu jouer du violon, mais elle n'a pas tenu longtemps. Ça l'a vite ennuyée. Oui, après, peut-être que le violon, c'est nul aussi. Hein. Ensuite, elle s'est mise au piano. Et là encore, ça n'a pas duré. À 16 ans, elle a essayé la guitare. Mais bien sûr, elle n'en a pas joué longtemps. On s'est aperçu qu'elle abandonnait tout ce qu'elle faisait. Au bac, j'ai eu tout juste la moyenne. J'étais vraiment une des plus mauvaises élèves de l'année. Je dois dire que l'école n'a pas été la période la plus passionnante. Parce que c'est nul la guitare. Pourquoi vous dites c'est nul la guitare? Oh là là, j'espère qu'elle va pas abandonner son enfant. Vous êtes des bâtards. Ah, ça y est, ça m'amuse plus. Oh, il a 11 ans, c'est presque la majorité, non? Oh, c'est bon, va vivre ta vie. Vive, vol, rêve. Fais des choses. Non, de ma vie. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais la bête noire des profs. Mais aujourd'hui, avec le recul, tout paraît plus clair. C'est sûrement à cause de mon TDAH que je me levais en classe, que je perturbais le cours, que je distrayais les autres élèves, que je changeais de sujet, que je parlais tout le temps. C'était usant. Le TDAH peut être héréditaire. Milena espère que son fils n'en souffrira pas et qu'il aura une scolarité plus facile qu'elle. Ah, vu la construction de merde qu'il a fait, peut-être qu'il n'a pas de TDA, qu'il est juste con, moi. À voir. Dans sa jeunesse, elle se sentait exclue, jusqu'au jour où des amis ont émis l'hypothèse qu'elle... Je la trouve pas TDAH, oui, bah oui, bien sûr, tu fais un diagnostic dans un documentaire Arte, oui. Ah oui, je suis formel, elle n'a aucun TDA. Doser les gens, on peut rigoler, mais... Présenter peut-être un trouble de déficit de la... Tu peux être con et TDA, pas... Ah, mais c'est vrai ça, vous avez raison. Pas idiot ce que vous dites, en fait. Et là, son fils, c'est Vlad débile pour contrebalancer. Attention. T'as déjà fait un diagraze. Ah non, laissez. Non, mais moi je suis neurotypique. Laissez-moi tranquille. Moi, mon seul truc de neuro. Moi, j'ai des comportements addictifs. Voilà. C'est la seule chose que j'ai. Tout le reste va très bien. L'a vu alors le médecin. Le diagnostic a été vraiment un choc. J'ai ressenti une grande tristesse et en même temps, j'étais en colère qu'on ne me l'ait pas détecté plus tôt. Toutes ces erreurs, ces bourdes, ces gaffes que je faisais avec les autres au travail, pendant ma formation, à l'école. J'avais beau essayer, j'ai des limites et c'est dû au TDAH. Si je l'avais su dans l'enfance ou du moins à l'adolescence, ma scolarité aurait été beaucoup plus simple. Peut-être que j'aurais même pu déjà prendre des médicaments à l'époque. Les premières années après le diagnostic, la Ritaline l'a aidée à être plus structurée. Mais cela entravait sa créativité et modifiait sa personnalité. Ma sœur disait ça qu'elle... Ça fait différent chez les femmes TDAH, il y a plus de masculin à te dire, c'est pas assez, c'est réel ça.
Je sais pas pourquoi, mais j'ai... c'est Dani, il en parlait apparemment. Les go, elles se font moins détecter. Autisme, TDA, notamment toutes les neuroatypies, les go se font moins détecter. Parce qu'elles apprennent plus à compenser. J'aimais pas quand je prenais des cachets, parce qu'après... Alors que nous, les mecs, on est là, ouais, trop bien, j'ai un TDA, sucez-moi la bite toute mon enfance, quoi. Bravo, hein. Encore les privilèges, hein. C'était trop normal. Kishta, tu sniffes la ritaline, mais non, arrête, Kishta. Mais attends, mais ton nez, c'est plus un nez, c'est une bétonnière. 4 cachets de ritaline, tu sniffes d'un coup, mais c'est... Ça fait du... Ça, c'est quoi, ça c'est une dinguerie de faire ça. Ah, bref, vas-y, bref. Aujourd'hui, Milena n'a recours à la ritaline que de manière exceptionnelle. En revanche, elle a régulièrement besoin de médicaments contre la dépression. Son pifin, Dyson. Je prends des antidépresseurs parce que parfois j'ai des coups de mou. Oh putain, ça pareil. Ça, l'angoisse. Ça, j'ai eu ça pour mettre mes médicaments. Impossible. Impossible. Parce qu'en fait, le problème, c'est que souvent, je prenais dans le mauvais jour et du coup, j'oubliais après. Et du coup, je reprenais parce que, par exemple, si t'as ton truc de jour et que t'es mardi et le matin, tu fais pas gaffe, tu prends jeudi. Du coup, tu l'as déjà pris. Mais 2 heures plus tard, t'as oublié que tu l'as pris. Et tu vois que dans mardi, il en reste. Et ben, tu reprends un deuxième médicament. Du coup, c'est de la merde. Il me faut des vitamines. Et une autre. Et encore une autre. Il peut m'arriver de ne plus savoir si j'ai pris un cachet ou pas. Non, parce que tu vois que le mardi à ce moment-là. Parce que le truc que tu comprends pas, c'est qu'il y a un truc dans ton cerveau qui a pas envie de voir que tu l'as déjà pris. C'est ça que vous comprenez pas dans les comportements addictifs. C'est qu'il y a un truc dans ton cerveau qui te dit « Ah, mais j'ai pas pris le mardi !» Et tu vas surtout pas vérifier que tu l'as pris ailleurs. Parce que la seule information importante, c'est qu'il en reste un dans la boîte où il fallait le prendre. Voilà. Alors que, en les laissant un peu en bordel, je me dis toujours que j'en ai plus assez. Je suis toujours en mode « Ah, j'en ai plus !» C'est mon état permanent de « J'en ai plus, c'est fini, ça y est. » Et du coup, bah, je me contrôle plus. Parce que vu que je sais pas ce qui... Voilà quoi. Après, ça m'empêche pas d'en prendre trop. La vérité, j'en prends trop quand même. Mais j'en prends moins trop que si j'en prenais trop comme ça. Voilà. Le fait d'être dans l'inconnu du restage de médicaments me canalise plus au final. Et ça suffit même pas. Mais bref. À la journée. Ça m'aide à m'en souvenir. Mardi, j'en ai pris, super, tout va bien. Sinon, je perds le fil. Donc, c'est très utile. D'accord. Samantha et James. Trop moche, attendez, trop moche l'Allemagne. Merde. Trop moche. C'est moche de fou. On est d'accord que c'est éclaté l'Allemagne. Sous-pays de fou. C'est l'Angleterre. Trop moche l'Angleterre. Trop moche. C'est éclaté de fou l'Angleterre, non? C'est gaz de fou. Samantha et James, de Birmingham, étaient mariés depuis plus de 10 ans lorsqu'ils ont été diagnostiqués. Le déclic a eu lieu durant la pandémie de Covid. Pendant le premier ou le deuxième confinement, comme je passais la journée entière dans la même pièce à effectuer les mêmes tâches, tous les symptômes du TDAH se sont aggravés au point de se répercuter sur ma santé mentale. C'est à ce moment-là qu'on a compris que je devais me faire examiner. J'étais au plus mal. Beaucoup de gens ont remarqué qu'il y avait un problème. Aujourd'hui, le couple anime un podcast pour soutenir d'autres personnes dans le même cas. Oh, le podcast Zoom, non mais attends. Quand t'as leur truc là, leur moyen, tu fais pas un podcast Zoom quoi. Je sais pas, faites un effort. Même moi j'arrive à penser à allumer les lumières et tout. Je sais pas. Bref. Bonjour et bienvenue dans le podcast sur le TDAH chez l'adulte. Je m'appelle James Brown, je suis jusqu'à preuve du contraire un homme et comme toujours le docteur Alex Conner est avec nous. Jusqu'à preuve du contraire, un homme. Quand c'est des Anglais, je me méfie quand ils disent des trucs comme ça. On est d'accord que quand c'est des Anglais qui disent ça,
C'est suspect un peu, non? On se dit oula. Terrifying Intensifies, on est d'accord. Bref. Bonjour. Salut Sam. Salut, comment ça va? Cette semaine, on parle du TDAH chez les hommes et les femmes. C'est une maladie qui fait toujours l'objet de nombreux préjugés. Le TDAH est stigmatisé socialement. Oh, alors... Les gens ont une mauvaise opinion des personnes qui en souffrent. Ou bien... Ouais, vous... Le mec, il avait un t-shirt « You are not boring, I have TDAH ». Ça, c'est vraiment les gens en mode « Non, mais si je te coupe la parole, c'est parce que j'ai un TDA. Oh. Avoir un TDA n'est pas une excuse pour être un connard. Surtout qu'au final, c'est un privilège. Moi, je le vois. C'est que quand t'as un TDA et que les gens autour de toi, ils savent que t'as un TDA, tu fais des efforts qui, pour tout le reste de la société, seraient nuls. Les gens, ils sont contents. C'est là que c'est un privilège. C'est que t'as même pas à être aussi bienveillant et basé que tout le reste de la société. Parce que le peu que tu vas faire, les gens vont être en mode « Bon, au moins, il a fait ça. » Au moins, c'est déjà ça. Donc au final, c'est un privilège. T'as pas tant à en faire que ça pour que les gens trouvent ça basé. Ils croient que le... Après, ça, c'est pour les gens qui te connaissent. Pour le reste de la société, t'es juste une merde. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. N'importe quoi. Eh ben quoi, n'importe quoi? Toi, n'importe quoi? Raz qui décrit sa strat. Mais c'est pas une strat. Mais c'est là que... C'est là que t'es psychophobe, Cassandre. C'est zéro une strat. C'est zéro une strat, la vérité. La vérité, c'est zéro une strat. Le TDAH n'existe pas. Cet ostracisme repose en grande partie sur des mythes et de fausses informations. Par exemple, on dit que c'est un trouble qui ne touche que les jeunes garçons et qu'on ne peut pas en être atteint quand on est diplômé ou qu'on a une belle carrière. Pour moi, c'est l'inverse. Pour moi, il n'y avait que les belles carrières bourges qui étaient diagnostiquées de ça, donc je trouve ça bizarre sur ma vie. Mais bref, ouais. Le problème, c'est qu'à tous les niveaux de la vie sociale, de la formation au travail, en passant par les amis et la famille, le TDAH n'est pas reconnu comme d'autres affections psychiatriques ou troubles du neurodéveloppement. Grâce au podcast, Samantha et James se sont fait de nouveaux amis, comme Michel et Jack. Ah non, mais alors là, ça veut dire qu'ils traînent qu'entre TDA? Bah ça, c'est la pire strate, ça. Ça c'est... Imo, c'est la pire strate. Traîner entre TDA, non? Je sais pas. Après, peut-être que j'en sais rien, peut-être que je suis délu, mais... Après, s'ils sont heureux comme ça, force à eux. Hein. Salut! Mishima parle de l'infirmité comme d'une strat. Oui, aussi, il se branlait sur des mecs à poil et il était raciste et il s'est fait seppuku après avoir essayé de faire un coup d'état raté. Donc, est-ce que Mishima a dit que des trucs basés? Je sais pas. J'adore Mishima, en vrai. Ça fait un bail. Entrez. Salut, comment ça va? Asseyez-vous. Ça va, mon gars? Ça fait plaisir de te voir. Je vais te chercher un verre. Les effets du TDAH évoluent avec le temps. L'échange avec d'autres personnes qui en sont atteintes peut aider à... Comment tu peux utiliser des sous-verres quand t'es TDA? Moi, tu mets un sous-verre en carton devant moi. Il me sert pas de sous-verre. Je vais juste parler et le découper en petits morceaux. Ça veut dire que vraiment, je vais poser mon verre à côté, je vais le prendre. Et d'abord, je vais le plier en deux. Je vais le replier en deux. Ensuite, les bouts que je vais plier. Ça, en plus, c'est des trucs épais. La première strat, ça va être d'essayer de le découper dans la longueur, là, de séparer les deux faces. Parce que c'est du carton épais. Donc, je vais essayer de découper les petites feuilles comme ça, genre les feuillets. Et ensuite, les petits trucs que je vais feuiller, je vais les recouper en petits morceaux. Séparer les couches, exactement, voilà. Pour moi, ça, c'est vraiment une attitude normale face à un sous-verre en carton comme ça. Après, chacun son truc, hein. T'es un Gaulmont, bah ça va, arrêtez de juger, c'est une dinguerie. Mieux comprendre les symptômes. Sur ce point, les femmes et les hommes ont des expériences très différentes. Tout le monde fait pas ça, c'est normal, je suis d'accord avec vous. Certains éléments indiquent que le TDAH ne touche pas les deux sexes de la même manière. Tout le chat a un TDA, mais non, mais justement, on dit l'inverse. D'abord, les femmes ont tendance à se reprocher leurs failles et à se répéter que tout est leur faute. Elles sont aussi plus sujettes aux troubles de... Après, tu fais un petit tas, non pas moi, souvent, vu que je suis un peu gêné, je le mets dans ma poche
Et à la fin, j'ai plein de peluches de papier dans la poche parce que je suis gêné. Du coup, à chaque fois, tous les petits bouts de papier que je découpe finissent dans ma poche parce que je me dis, ah, j'ai encore découpé des trucs. Et voilà. Et du coup, j'ai des peluches de papier partout. Donc c'est horrible. De l'humeur et à l'anxiété. Les hommes, eux, sont plus enclins à consommer de la drogue, par exemple. Peut-être qu'on pourrait en discuter. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Pourquoi il a dit drogue ? J'écoutais plus. Juste entendu drogue, attendez. Les hommes, eux, sont plus enclins à consommer de la drogue, par exemple. Ah ! Non. Peut-être qu'on pourrait en discuter. Après, c'est vrai que quand je l'écoute, lui, j'ai envie de me droguer. Ça, c'est vrai. Tout le monde savait que j'avais un problème. Simplement, j'ignorais ce que c'était. J'avais des épisodes dépressifs, je n'arrivais pas à gérer ma colère, et je souffrais d'addiction. J'entends dire que certaines personnes ne sont pas conscientes d'aller mal. Ce n'était pas du tout mon cas. C'était tellement évident que j'avais un problème. Tout le monde le voyait bien. Mais j'imagine que pour vous deux, c'était un peu différent. Puisque vous êtes des oui. femmes. Toute ma vie, j'ai été traitée pour anxiété et dépression. Et j'ai pris des antidépresseurs. Ah, mauvais plan quand j'ai pu décrocher. Et surtout, les antidépresseurs, c'est pas forcément une bonne synergie avec le TDA. Ça peut foutre la merde. Après, ça dépend des gens aussi, je crois. Donc. Je suis soignée pour troubles de déficit de l'attention. Je crois que le problème était justement un TDAH non traité, plutôt que l'anxiété et la dépression. Enfant, j'étais vraiment hyperactive. Je me rappelle qu'à la crèche, on me battait parce que j'étais trop bruyante et surexcitée. Ah, moi aussi, je tapais les gens à la crèche. Je mordais les gens aussi, apparemment. Je m'en rappelle plus, mais apparemment, je mordais tout le monde de fou. Voilà. Et du coup, c'était horrible. Comme tous les enfants. Ah non, apparemment, non, là. Elles, on l'a batté. Ah oui, ah d'accord. J'ai encore pas écouté. Elle a dit ça dans vos... Non, c'est une blague, elle a dit ça. Ah merde, j'ai pas écouté. Non, mais après, ça m'étonne pas. Surtout à l'époque. Après, moi aussi, hein, je me suis fait maltraiter à l'école à cause de ça. Je me faisais humilier tous les jours, la vérité, en plus, je blague même pas. Mais moi, les gosses, ils disaient, ça va, les gosses, c'était les profs, ils m'humiliaient de fou. Ils m'humiliaient sa mère. Vous rendez pas compte. Les filles n'ont pas le droit de courir partout ni de se comporter comme de mauvais garçons. Alors, j'ai commencé à intérioriser tout ça et à m'isoler. Du coup, on a dit que j'étais tête en l'air. À l'extérieur, j'étais calme, mais à l'intérieur, j'étais encore plus agitée qu'avant. Je ne sais pas si ça a été pareil pour toi, mais beaucoup de femmes font part de la même expérience. Je pense que les filles sont conditionnées depuis la naissance pour ne pas courir et rester calmement assises. Moins je suis active physiquement, plus mon cerveau bouillonne. Malgré ces différences entre hommes et femmes, Samantha et... On ne veut le mort, tout le monde à la crèche, c'est un enfer, on ne sait pas pourquoi, c'est le sous-chou. Ouais, moi aussi, c'est ça un peu. James partage de nombreux comportements et traits de caractère. Pour la vie en commun, c'est souvent compliqué. Quand deux personnes dans un couple ont un TDAH, c'est vraiment dur. On s'énerve de voir l'autre faire des choses qu'on fait soi-même tout le temps. Et on lui en veut d'avoir ce trouble de l'attention parce que c'est pénible. Depuis leur diagnostic, Samantha et James se montrent plus compréhensifs l'un envers l'autre. Ça, c'est bizarre, ça. Ça veut dire qu'ils se détestaient avant d'être diag, alors qu'ils faisaient la même chose, et maintenant qu'ils savent que c'est un truc, bof. Mais après ça, c'est les gens, ils arrivent pas à prendre les gens comme ils sont aussi, des fois, quoi. Après, il y a des trucs, c'est trop chiant, je suis d'accord avec vous, mais bon, ça dit bien un truc, quoi. Dans cet hôpital de Hambourg, le docteur Daniel Schoettle propose des consultations aux adultes ayant un TDAH. Comme Samantha et James, Julia et André Plouskoi en sont tous deux atteints. Ils sont en couple depuis 4 ans et demi. Avant le traitement, ils étaient irascibles et agressifs. Comme bien d'autres, André a consommé de la drogue pour rendre la maladie plus supportable. Cette agitation intérieure que je ressentais constamment, on l'imputait à mes addictions. Je fumais des joints, ça me calmait. Je consommais beaucoup d'amphétamines. C'était un vrai problème. Ça, c'est typical drogue TDA.
C'est tu prends des excitants pour canaliser le TDA et des calmants pour canaliser les excitants qui canalisent ton TDA. Typical. Hein. Das war Tagesthema tatsächlich auch. Im Verlauf der Beziehung. Au cours de votre relation, est-ce que vous vous êtes dit tous les deux que vous souffriez peut-être d'un TDAH? Baser les alliances tatouées. C'est ultra chum, mais moi j'aime bien les tatouages moches. Après, celui de Lago a l'air mieux que le sien. Dites tous les deux pardon. Que vous souffriez peut-être d'un TDAH. Ouais, j'aime bien, moi, ça gueulerait même celui sur sa main, là, à moitié effacé, tout dégueulasse, là. Je kiffe les tatouages comme ça, après je suis matrixé. Lui, son doigt, j'aime un peu moins. Mais faudrait voir, en vrai, ça a l'air cool quand même. Cringe, Jimbo. Ah bah non, mais après, les gens, 90% de la société trouve ça dégueulasse, les tatouages moches, moi j'aime bien. J'avais de plus en plus d'accès de gueuche. Colère. Mais toi, t'es pas un gueuche là, Terdak? Tu vas à des concerts dub, de quoi tu me parles? D'où tu juges des gens qui ont des tatouages sur les doigts? Tu vas à des concerts de dub et tu fumes des joints avec du drum bleu? Tu fumes du fleur du pays? Bref. Ça a été un élément essentiel qui nous a mis la puce à l'oreille. On avait des affrontements très durs. André l'a d'ailleurs très bien formulé. Tu es ma première adversaire sérieuse. L'un comme l'autre, on ne lâchait rien. On voulait se battre jusqu'au bout. C'était épuisant. Il y avait de nombreuses frictions? Énormément. Parfois même tous les jours. C'était éprouvant pour les nerfs. Mais on voulait tous les deux s'accrocher à notre couple, parce qu'on avait un lien très fort. Après, basé, franchement, force à eux d'avoir dépassé le truc et d'avoir réussi à régler le problème. Il y a plein de gens qui abandonnent, donc c'est cool. Ça veut dire que leur couple est solide, en vrai, basé, mignon, basé, girl boss, ouais. Comment avez-vous réagi au traitement? Ça a été vraiment extraordinaire, surtout les premiers jours. Bon, on lui a prescrit des enfêtes, quoi. Moi, j'adore, parce que, gars... Ah, je prenais des enfêtes toute ma vie, un jour j'ai pu les avoir sur ordonnance, c'était bien quoi. Ah bah oui, bon, tu m'étonnes. Maintenant il a plus que ses joints à acheter illégalement quoi. Il a ses enfêtes à la pharmacie, le frérot. Bah, je comprends, bah, c'est, hein, je suis d'accord avec lui. Hein. J'étais plus détendu, plus ordonné. Comment on se fait diag? Bah, si tu veux faire diag le TDA, prendre rendez-vous et pas oublier d'y aller quoi. Ce qui sont deux étapes compliquées. Après, je sais pas. Plus calme, je m'en portais moins facilement, et je pense qu'aujourd'hui encore, sans médication, je ne serais pas capable de faire mon travail. Je dois dire que les médicaments ont changé ma vie. La première fois que j'ai pris la voiture, après avoir commencé le traitement, ça a été très impressionnant. Je me suis demandé comment on pouvait être aussi concentré au volant. C'est pas vraiment des enfêtes, oui d'accord, oui non mais... Oh, on fait des blagues! Je ne sais pas comment j'ai pu conduire pendant 20 ans sans avoir d'accident. Dans le cas du TDAH, on part du principe, même si c'est un schéma simplifié, qu'il n'y a pas assez de dopamine dans les zones antérieures du cerveau. À l'aide d'un traitement médicamenteux, on tente de rétablir l'équilibre en augmentant la production de cette molécule du plaisir. C'est trop bien en fait! Moi j'ai de la rétaline de fou! Non, je rigole. Environ 3 à 7% des enfants et des adolescents présentent un trouble de déficit de l'attention. Mais près de 5% des adultes en souffrent également. Cette maladie se soigne avec la psychologie. Attends, genre vraie question là, les gens Doctissimo là. Ça disparaît en vieillissant des fois le TDA? Genre tu l'as beaucoup gosse et beaucoup moins adulte? Non. Bah alors pourquoi ça baisse? Je comprends pas du coup. Bah attendez, pourquoi les chiffres ils sont dissonants? C'est pas une maladie. Mais j'ai pas dit que c'était une maladie! Stratégie d'adaptation. Oui, ça compense en fait. Ça diminue en grandissant. Je suis en médecine. Ah voilà, des gens qui répondent de voilà quoi. Ça se canalise. T'apprends à compenser. Oui, en fait, c'est toujours pareil, mais t'as appris à gérer le dièse, quoi. Tu développes des straps qui font diminuer les symptômes. Oui, c'est ça, c'est que tu compenses, quoi. Comme tout, quoi. Ok. On voit une baisse dans la symptomatologie de tous les psychopathos. Psychopathos ? Ok.
psychothérapie et la médication, ou la combinaison des deux. Trop moche l'Allemagne ou l'Angleterre, Milena, je sais pas. Milena a toutes les peines du monde à effectuer des tâches banales comme les travaux ménagers. C'est en général, elle les remet à plus tard. Madame, arrêtez. Et quand elle s'y attaque enfin, elle perd vite patience. Mais, attends, elle en met partout. Laver les fenêtres, par exemple. En plus, je suis sûr que quand elle lave ses fenêtres, elle fait qu'un seul passage. Et du coup, elle fait qu'une fois avec la lingette mouillée. Du coup, ça laisse des traces. Alors qu'il faut nettoyer avec une première lingette et ensuite en prendre une sèche pour enlever les traces de produit. Sinon, tu fais juste du gras et ça fait du gras dessus. Bref, les vrais savent. Ce n'est satisfaisant ni sur le plan intellectuel, ni sur le plan physique. L'ennui est une vraie torture pour les personnes avec un TDAH. Toutes les tâches routinières qui n'ont rien de divertissant et qui peuvent vite me saouler, je n'y arrive pas. Pourquoi je me donnerais du mal? Si les fenêtres sont sales, ce n'est pas la fin du monde. Basé. Milena a appris à prendre soin d'elle, à s'octroyer des espaces de liberté, à trouver un équilibre. Ah ouais. Le plus important, c'est de pouvoir décompresser et évacuer le stress lié à la gestion de l'entreprise, l'écriture du livre, mon fils, la séparation. La peinture me détend. Le sexe aussi. Ah mais c'est elle, c'est le même gosse qui est enfermé dans le miroir, dans le tableau et qui a l'habit de... de chaperon rouge. Ah ouais, ah oui, je croyais que c'était une autre meuf. L'Opinel, c'est elle aussi. C'est sûrement pareil pour tout le monde. Je ne pense plus à rien, ni aux tâches ménagères, ni à mon enfant. Quel enfant? Dans ces moments-là, je suis vraiment ailleurs. C'est génial, je m'oublie complètement. Bien sûr, il m'arrive de penser à d'autres choses qui me préoccupent, comme mes amis ou mon livre. Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme avec le sommeil. Parfois, quand il y a une question qui me turlupine, la machine tourne en arrière-plan sans que j'en aie conscience. Et quand j'ai terminé ma toile, j'ai le sentiment d'avoir avancé un peu sur le sujet. Tout simplement parce que la tête a eu le temps de digérer. Zut, la pizza! Tout le monde. Je sais pas, tout le monde sait ça, non? Attendez, on est d'accord que là, ce qu'il vient de décrire, c'est un truc qui a assis tout le monde de fou. Genre même quand tu fais un truc, tu penses à un autre un peu. Oui, après... Bon. Où sont les maniques? Manique ta mère? Ok. C'est pas une manique, c'est un torchon. Pourquoi elle ment? Les maniques, c'est les gants. Ils font ploup ploup, ça c'est un torchon. Menteuse, hein. Je suis une pro, comme vous voyez. Franchement, j'assure. Juste à temps. Je crois qu'elle est bien croustillante. C'est un petit noir bizarre, là. Je comprends rien, moi. C'est très mauvais de regarder la télé en mangeant. Mais le petit est malade. Depuis le départ de son ancien compagnon, Milena profite de sa liberté retrouvée. Elle utilise des sites de rencontres pour faire de nouvelles connaissances. Mais le TDAH a également des répercussions sur sa vie sentimentale. Non mais... Elle oublie de répondre aux messages sur Tinder, c'est ça ? Il a toussé sur la pizza. Oui, la pizza, elle avait à nouveau du fromage, mais pas le même genre. Il est super mignon. Hello. Eh ben. J'ai besoin de quelqu'un qui a un TDAH comme moi. Parce qu'il ou... Ça, c'est... Moi, je trouve ça, c'est dangereux, la vérité, notre rôle. Notre rôle dangereux, un peu, de réfléchir comme ça. Après, je suis d'accord qu'il y a des gens, c'est des fils de pute, qu'auront aucune empathie pour ça, etc. Mais je sais pas. Après, je sais pas. Ça me paraît bizarre de faire ça, mais bon. Ou elle comprendra mieux. Mais est-ce qu'elle a TDA dans sa bio Tinder? Bah, c'est sûr, vu ce qu'elle vient de dire, c'est évident. Hein. C'est évident.
difficultés et mes défis au quotidien et qu'on pourra s'entraider. Au début d'une relation, je suis très amoureuse et complètement focalisée sur mon ou ma partenaire. Je n'ai besoin de personne d'autre. Je ne crois pas que j'aurai le même compagnon ou la même compagne jusqu'à la fin de ma vie. C'est très peu probable. On peut trouver des arrangements à l'intérieur du couple. Oui, la caméra, oui, la caméra. Ce qui me gêne, c'est qu'on trompe l'autre sans s'être mis d'accord au préalable. Ce n'est pas bien. Merci, tonton Farid. Bon, ça y est, elle nous ennuie, là. Le TDA nous a saigné. À Birmingham, Samantha et James préparent un voyage à Londres. Birmingham, c'est la ville... C'est une véritable gageure pour le couple. Mais pourquoi ? Ils utilisent des listes pour... Birmingham, c'est la ville de Peaky Blinders, ça ? La ville ? Non, c'est pas à Birmingham, ils sont là. En mode Gaulmont, là. S'assurer de ne rien oublier. Ils ont aussi établi un itinéraire afin de limiter les risques d'incidents. Stylé un peu Peaky Blinders. On est en train de regarder avec Cassandre. Mais on est d'accord que c'est complètement con, les droitards qui sont fans de Peaky Blinders. Ils ont rien compris à la série. On est d'accord qu'ils sont complètement teubés, non ? Débat parallèle, là. On est d'accord qu'ils sont encore une fois complètement cons. Comme d'hab, oui, de fou. On est d'accord. Oui, comme d'hab. Hein. Contre son camp, oui. Peaky Blinders, c'est full de droite. Mais pourquoi ? Attendez, mais c'est de droite, pourquoi ? Trop bizarre. Hein. Côté viriliste, oui, bon, là, après, là, bah... Tu as la liste ? Je l'ai vérifiée. J'ai l'itinéraire, non ? Parce que Shelby, c'est un bonhomme viril. Attendez, vous parlez du héros Thomas Shelby ? Qui est une sorte d'androgyne, maniaco-dépressif, full PTSD, qui passe son temps à se droguer, à être en dépression et à être en self-hate, homme soja ? C'est lui le droitard viriliste ? Y a pas un seul perso qui est pas maniaco-dépressif dans le bordel, ça parle que de ça ? Ça parle que de dépression, d'addiction, d'angoisse. Bizarre. À Londres, Samantha et James veulent partager leurs connaissances avec un public en chair et en os. Okay. Presque dans les temps. Il faut trouver un taxi. James, regarde. Il y en a un là-bas. Allez, concentre-toi, il y a un taxi là. Bonjour. King Cross, cinéma... c'est Harry Potter aussi, ça. C'est... non ? Ah non, peut-être pas en fait. C'est pas ça la gare dans Harry Potter ? À Genesis, à Mile End. Tu as vu la tour ? Allez. Depuis son lancement en 2021, le podcast du couple a été téléchargé plus d'un million de fois. Quoi ? Quoi ? Y a un million de personnes qui regardent leur podcast Zoom de Gaulmont, là ? Bon, Fake taxi. Là, on voit tes occupations, toi. Mais ce soir, c'est la première rencontre... Oh, stylé, c'est stylé. Après, y en a un peu trop. Merde, j'ai perdu. ...a été téléchargé plus d'un million de fois. Mais ce soir... Après, là, y en a un peu trop. Mais j'aime bien les piercings qui vont d'un trou à l'autre, comme ça, là. Mais là, c'est un peu trop chargé, là. Tu dois pencher d'un côté un peu quand tu marches. Mais des fois, c'est stylé. Moi, je voulais me faire à une époque les trucs de bandeur, c'était la barre, là. Mais bref, on s'en fout. Ce soir, c'est la première rencontre physique. Et la première fois que Samantha monte sur scène. T'aimes les punks à chien, bah va te faire enculer. Je suis terrifiée. J'ai vraiment le trac. Sur scène, regarde-nous, Alex et moi. Ne t'occupe pas du public. Tu sais ce que tu as à dire et à quel moment tu dois intervenir. Franchement, dès que tu seras monté sur scène, tout ira tellement vite que tu oublieras ta peur et ton angoisse. J'ai l'impression qu'Alex et toi... Je vais pleurer. Ça va. Oh, mais attends, mais en fait, j'avais pas vu, mais... Attends, mais elle a un kilo à l'oreille, là. Attends, mais ça, c'est... Tout va bien. Là, elle pleure parce qu'elle a mal.
Elle pleure parce qu'il y a un truc qui est en train de lui arracher toute l'oreille, en fait. Alex et toi, vous êtes des experts. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Quand tu parles de tes symptômes et de l'impact du TDAH sur ta vie, ça résonne chez les gens. Ouah, le mec, il lui répond. Oui, on est des experts. C'est vrai que nous, les deux hommes, on est vraiment experts. Mais toi, tu peux parler de toi, les gens, ça les intéresse. Les gens, ils sont un peu golemons comme toi, là. Tu peux leur parler de leur vie pendant que nous... on apportera notre expertise sur le sujet. Alors, je suis sûr qu'il dit que des trucs pas intéressants. Voilà le cinéma. Parfait. C'est sympa. Samantha et James arrivent à temps pour les tests sonores. Et les invités attendent déjà. Je suis là parce que je suis neurodiverse. Je ne l'ai découvert qu'à la trentaine. J'aimerais savoir pourquoi mon cerveau se comporte aussi bizarrement et si d'autres personnes ont le même problème. On m'a diagnostiqué un TDAH il y a quelques années. Et depuis, j'ai essayé d'en apprendre le plus possible sur ce trouble. Ça a changé ma vie en bien comme en mal. Et je voudrais approfondir le sujet. En Grande-Bretagne, le TDAH est reconnu depuis 2000 comme une maladie et depuis 2008 comme une pathologie chez l'adulte. Ok. Bienvenue dans le premier et sans doute le dernier pod. Ah, ils ont des porteurs à tablettes. C'est incroyable ça. C'est trop bien le porte-tablette de Gaulmont là. C'est ça qu'il nous faudrait pour le chat quand on fait des streams sur scène là. Podcast live sur le TDAH chez les adultes. James, Samantha et leur ami Alex utilisent l'autodérision pour parler des difficultés qu'ils ont rencontrées. J'ai reçu mon diagnostic il y a 2 ans. Et j'aimerais savoir s'il est prouvé scientifiquement que des personnes diagnostiquées avec un TDAH épousent des personnes qui ne le sont pas. Il n'y a pas d'études scientifiques sur le sujet, mais la plupart d'entre nous reconnaissent les symptômes de ce trouble chez leurs amis et leurs partenaires. C'est sans doute dû au fait que les gens qui sont diagnostiqués avec un TDAH, ou qui ne le sont pas, nous comprennent mieux. Et si on... J'ai pas compris la question, j'ai pas compris sa réponse. Attends, attends! Est-ce qu'elle lui a demandé, quand t'es TDA, tu dépousses quelqu'un qui n'a pas le TDA? Et lui, il répond, on est naturellement avec des gens qui ont des TDA. Du coup, je comprends rien à la conversation. On dirait, il répond à quelqu'un d'autre. On est d'accord qu'on comprend rien, là? J'ai rien capté, ouais, moi non plus, les gens. Bon. On ne répond pas à leur SMS, qu'on réagit de manière excessive à un refus ou qu'on perd ses lunettes 20 fois dans la journée, ils se montrent indulgents. Ça s'est très bien passé. Je me disais que je ne serais pas capable de prendre la parole, alors qu'en fait, j'ai beaucoup parlé. C'était comme l'enregistrement d'un podcast normal. Je pensais que je me fermerais complètement, mais ça n'a pas été le cas. Les personnes atteintes de TDAH ont souvent une mauvaise opinion d'elles-mêmes. On manque vraiment de confiance en nous. Donc, on a du mal avec les compliments, les applaudissements et les rires. Ah ouais, je déteste ça, moi aussi. Si vous voulez vraiment me faire souffrir le chat, faites des dons. Là, vraiment, vu que j'ai un TDA, je vais détester ça. Ça va me mettre vraiment mal à l'aise et tout. Donc, ouais. C'est super de voir que les gens sont contents. Une cicatrice au cou. Non, mais il a une sorte de collier bizarre. T'as raison, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est comme un collier de bonbons, mais les bonbons sont minuscules. Merci Cyril de la tentation, mais 1,20€, c'est pas assez pour me faire sentir mal. Merci Médicis, t'aurais mis 120 balles, là tu m'aurais vraiment mis mal à l'aise. En tout cas, c'est moche, ouais, c'est moche. Mais certains cherchent uniquement à être polis, je pense. Oui, mais c'est génial de les rencontrer parce qu'on a l'impression qu'ils sont de la famille.
Ils font partie de notre vie. Et c'est formidable d'être dans une salle remplie de gens comme nous. Personne n'est jugé. Tout le monde peut enlever son masque et être soi-même. Quel bonheur. Oh non, Jean-Michelin peinture, là, elle vole l'âme des gens avec ses peintures de merde. Ah. Bon. Je voudrais pas me moquer. Mais il se pourrait qu'elle soit éclatée de fou. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'utiliser tes petites cuillères, ton énergie, pour faire une merde pareille? Il y a des fois, faut arrêter. Non, c'est pas vrai, les gens. Si vous aimez bien dessiner, même si c'est moche, c'est pas grave. Après, pour moi, t'as le droit de dessiner si tu sais pas dessiner, si t'es une merde. Mais faut pas obliger les gens à donner leur avis sur tes dessins. Ça veut dire, quand t'es une merde, va pas imposer à tous tes potes de dire « Ah, regarde ce que j'ai dessiné, t'en penses quoi ?» Parce que ça met mal à l'aise. Et t'es là, ha ha, ah c'est cool, stylé, ah c'est sympa, t'aimes bien dessiner en ce moment. Alors donc n'imposez pas vos mauvais dessins aux autres. Ayez la décence de les garder pour vous. Moi à chaque fois j'ai envie de dire, mais est-ce que je t'envoie une photo de ma merde du matin? Non. Bah alors me montre pas ton dessin, je t'en supplie, respecte-moi. Certains courent partout. Moi, c'est mon cerveau qui est en ébullition. Milena n'a pas la patience de terminer. J'aimerais voir vos têtes quand vous avez un fan art IRL. On en a eu un qu'une fois. Et... Non, pas qu'une fois. Deux fois. Et l'une des deux fois, il était ultra moche. Comme ça, les deux, ils se diront, c'est pas moi. Voilà. Parfait. Comme ça, ils sauront pas si c'est eux ou pas. Ils sauront pas si c'est eux qui étaient moches. Après, là, on a eu un dessin il y a pas longtemps qui était stylé. C'est la première fois que Cassandre il a été dessiné de façon stylée. Go me retrouver le fanart Cassandre. Franchement, il était stylé. Et c'est la première fois qu'un Cassandre était bien réussi. Elle est sa toile. Elle ressent le besoin de passer à autre chose. Alors elle s'occupe de ses plantes. La parcelle qu'elle loue dans un jardin communautaire est son havre de paix. Les fanarts de streamers, c'est un truc de cuck quand même. Ouais, bah écoute, bah Broly, c'est juste que t'es triste que personne fasse de fanart de toi. Voilà la vérité, Broly, le guerrier légendaire. Ton rêve, c'est qu'on fasse ça. Voilà. Elle bosse pas, mais toi, tu bosses peut-être. Et ça, c'est une dinguerie, les gens. Vous vous plaignez toute la journée d'être dans le salariat et vous voyez une go qui a l'air de se faire des trucs où elle se fait un peu plaise et vous avez le seum. Ça va, souhaitez pas aux autres ce que vous voulez pas qu'on vous souhaite à vous. Merci, qui est ce type? Je demande, oui. C'est un endroit où je peux vraiment me détendre. Elle dit ça à chaque fois, mais attends, mais... Elle était devant son ordi de merde, elle pouvait vraiment se détendre. Elle était devant sa peinture de Gaulmont, elle voulait vraiment se détendre. Elle est dans son jardin mort. Ton jardin est décédé. Tout est mort. Tu ne sais pas t'en occuper. Ne sois pas détendu, sois triste. T'as tout détruit. Je suis pas calme, je fais toujours quelque chose, mais ici, je ne pense pas au travail ni au reste. Mon cerveau peut déconnecter un peu. Une graine a quelque chose de magique. On la sème. Peu de temps après, on a une petite plante, puis une fleur ou un légume. Tout ce processus est fascinant. Ça me touche et me connecte à la terre. Les personnes comme Milena sont souvent vives, fébriles et spontanées. Ce qui n'est pas facile à gérer pour l'entourage. Mais les côtoyer, c'est aussi vivre des expériences intenses. Ah ouais. Vraiment l'expérience intense de cette go, quoi. T'es chez elle, t'arrives chez elle, elle te fait déplacer toute sa cuisine dans des cartons, elle te montre ses peintures dégueulasses, il y a son gosse malade qui te tousse dessus, et tu vois son jardin crevé, tout gris.
Voilà, voilà la journée avec cette go. Trop bien. Vraiment la meilleure journée de ma vie. Hein. Il faut que mes amis, mes compagnes et compagnons et ma famille se montrent tolérants vis-à-vis de mes symptômes. J'essaye de faire de mon mieux, mais je ne peux pas toujours être à la hauteur de leurs attentes. Même la pizza, elle l'a fait cramer. C'est comme si on demandait à quelqu'un qui fait 1m50 comme moi de cartonner au basket et d'atteindre le panier. Ce n'est pas possible. Et si mes proches peuvent le comprendre, ça facilite les relations entre nous. Ok. Ah non, j'ai cliqué sur un truc. J'ai eu peur. Ah non, ta gueule, hein. Ta gueule, hein. Bon, bah, y'a plus rien à mater, voilà. Il est 22h20. Ah, c'est horrible, ce stream de Golemon. Vous avez pas donné d'argent, en plus. Oh, bon, vous avez quoi d'autre à mater, là, le chat de bien, là. Trouvez-moi une vidéo stylée, là. Enrico Macias, ah non, c'est bon. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Il va dire un truc horrible, je suis sûr. C'est pro en plus. Gauche. Qui cette horreur. Allez. Et quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, eh ben vous m'obligez à dire ce que je voulais pas dire. Ben il faut les dégommer ces gens-là. Il faut les dégommer. Il faut les. En tout cas, faut politiquement. Ouais. Non, il faut les dégommer. Politiquement. Oui, ben, bien sûr, mais peut-être même physiquement. Électoralement. Non. Enrico Macias, je vous. Je vous en prie. Oui. Ne disons pas cela, et je retire cette phrase que vous n'avez pas pensée pour vous, parce que évidemment, on ne peut pas aller sur ce type d'injonction. Écoutez, franchement, quand on voit des bébés décapités, quand on voit tout ça, vous croyez que c'est bien de ce qu'a fait le LFI ? Je suis d'accord avec vous, mais la France insoumise. Qui n'a pas condamné le Hamas, n'est pas responsable des crimes qui se passent sur le sol. C'est Pascal Pro qui te dit dose. Ça veut dire que t'es un tiers de vouloir tuer des gens, la LFI, qui ont appelé à la fin des massacres, comme 95% des gens à gauche. Et c'est Pascal Pro qui te dit dose. Comme ça, ils sont complices. Intellectuellement, voilà. J'entends ce que vous dites, mais je retire le mot que vous avez employé. Oui. D'abord, parce que je ne voudrais pas, j'ai beaucoup d'affection pour vous, et je ne souhaiterais pas que vous deveniez la cible, précisément. Vous savez, je vais vous dire, moi je dis ce que je pense. Moi je n'ai pas peur d'être une cible, j'ai tout le temps été menacé, tout le temps. Eh bien, je n'ai pas peur, je dis ce que je pense devant cette horreur. C'est tout. Alors. Donc là, il a appelé à tuer l'extrême gauche. Il a appelé à tuer des gens. Eh ben, c'est bien. Eh ben, tout va bien. Écoutez. Les gens qu'on aime finissent par les croire et appeler au meurtre. Je ne reconnais pas Enrico Macias dans ce propos. Oui. Oh, les AirPods. Oui, d'accord, ok. Ok. Bah, c'est triste, hein, de fou, hein. Non mais là la vérité c'est triste. Oh le train de hype les gens. Ouais. Débat avec Driver sur le rap et l'émancipation. Y a pas un truc pas chiant? Une heure. Ah non. Hein. Déjà faites le train de hype sinon je coupe le stream. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Déjà faites un train de hype. Hein. Oh non mais qui c'est qui a envoyé Canard Réfractaire 24 heures tu prends. Hop. Bah, 24 heures dans ta gueule, de petit connard. Arte encore. La vie quand il y a perdu petit chat, j'ai envoyé 24 heures. Hop. Bam, 24 heures dans ta gueule. Paf. Et donnez de l'argent, hein. Sinon, je le coupe. Les gars, bienvenue. 40 minutes, on juge les albums de rap français de la personne dont je me bats plus les couilles de la vie sur le rap français. 24 heures. Paf. C'est bon, hein. Didos, qu'est-ce que t'envoies comme truc de go? J'ai envoyé une vidéo de Link the Sun sur les loups-garous. Merci, Olaf. Bon, on va regarder ça, alors. Oh, merci, Olaf. Merci. Let's go. Bah voilà.
On va regarder ça, vous allez être contents. Ça va être bien. Et se prolonge jusqu'en 2008 avec le Wolfman de Joe Johnston. Attends, on est d'accord qu'il y a un en fond dans la vidéo là. Mais c'est une dinguerie. Qui est la réécriture de ce premier volet avec Benicio Del Toro et Anthony Hopkins. Des films, on passe aux séries avec le loup-garou du campus et la malédiction du loup-garou. Des séries, on passe aux jeux vidéo où les loups-garous ont tendance à se faire discret. Dans Twilight Princess, Link se transforme en loup-garou. Et si on va chercher loin, dans Bloody Roar, il y a plein de créatures garous. Oh ouais, ça pue comme lien, d'accord. Et bah, puisqu'on est dans les liens qui puent, je vous annonce le troisième point, sans la moindre transition, le top 20. Aujourd'hui, dans notre top 20 sur les loups-garous, comment éliminer un loup-garou ? Attends, mais... Oui, je... Les gens, vous regardiez ça à l'époque, c'est une dinguerie, hein. 1000 punaises de lit, quoi ? Bon, ok. J'ai déjà vu, elle est horrible. Arrêtez, toi, je te banne. Hop, 24 heures. 24 heures direct. C'est moi. Non, trouvez-moi des vidéos stylées, là. Et surtout... You ever wake up in the morning and ask yourself... What happens when you wire 100 car batteries in parallel ? 40 minutes... Oh my gosh! Now something that sticks out. Dave actually stopped that. It did. It's welded to it now. Je comprends rien. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, mais qu'est-ce qu'il fait? That's impressive. I wasn't expecting that. I zapped some magnesium, but the results weren't that impressive, relatively speaking. It melted too easily near the. Is incredible. Yes. Total circuit power there was on the order of 3. Oh, c'est nul. Je comprends rien à la vidéo. Des dizaines de chevaux mutilés à la... Ah, je vous en prie, stop être des merdes. Vraiment, je vous dans la tête à présent. Oui. Non, mais là ça va quand même, je tiens le coup. Le docu est cool, mais oui, mais je l'ai déjà vu, mais ça va me donner envie de me droguer. Rien que d'entendre sa voix, j'ai envie de prendre de l'héroïne. Hein. Là, je vous dis, il est heureux, là. Là, il est bien, là. Enfin, il est pas heureux, mais bref. Bref. Vous êtes là ou pas? OLG, je crois qu'ils sont là. Ouvrez les guillemets. 2018, Mediapart. Ouais, je crois que tu peux y aller. Vas-y. C'est une région, pas un prénom, Cotentin, métropole de Lyon. Andouille à Gérard Collomb, une saucisse et un gros con. Hyperactif comme sur Twitter, tu m'insultes à 11 followers. On s'est pas rappé, t'es encore plus nul, tu fais des vidéos réponses à Usul. Pour faire du rap, on n'est pas très fort, partisan du moindre effort. Parmesan compte et roquefort, pas de fromage pour tes grands nords. Plus stylé que la moustache d'Edoui, plus perspicace que l'enquête d'Arfi. Même pas financé par Kadhafi, ouvrez les guillemets chaque lundi. Mediapart, 11 euros par mois, si t'es précaire, tu paies moins que ça. Pas besoin de justificatif, nous on te croit, si tu dis que t'as pas de bif, on voudrait voir toute la France s'abonner au canard de plaine, allez François Bonnet. On fait de la lèche à Stéphane Aliès. S'il y a pas de saison 2, c'est la Hesse. S'il y a pas de saison 2, c'est la Hesse. Blasmo. Oui. Je dirais à mes enfants que c'était ça le rap conscient. Vous étiez pas streamer à l'époque. Ah bah pourquoi je vous dis qu'elle m'avait mise en colère cette vidéo. Hein. Mais on l'a déjà rematé. Les tontons squatteurs. Ah oui, mais je l'ai déjà vu. Tonton squatteur à part, regardez. Ça va Gaulmont, avocat, total. Donc on va faire un squat. Les gens ils protestent. Ah, faut pas faire des squats. Ils sont dans le squat. Ils disent non, on résiste. Et au final, ils se font virer quand même. Il y a un punk qui pue la bière et la 8-6. Voilà, j'ai résumé. C'est bon. Voilà. Combat UFC de nains ? Ah voilà, là on parle là, attends. Casey O'Connor, also what? Known as... Oh, I'm the champ for a reason. Oh, but they're swinging. No love lost. Big right. No shortcomings. Big right.
Ok, ok. Alors. Le speech d'Erwin, non mais merci, merci. On l'a maté 10 000 fois, c'est bon. Ça va, ça va. Donc, je vous en supplie, envoyez-moi un truc bien, je vous en supplie. Vraiment. Vous envoyez trop de liens, j'arrive pas à tout cliquer. Non mais... Stop. Arrêtez avec ça. Le combat racaillou, là, c'est bon. Arrêtez. Après, je vais me faire insulter de validiste. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de... Oh, non, arrêtez. Arrêtez, connasse. Juste peut-être qu'Internet n'est pas sain. Oh putain, mais c'est quoi, est-ce que... C'était quoi le truc de furie, là? Oh là 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 là. Isabelle. Non. Isabelle, elle dit on dirait une galette. Non, c'est pas une galette. Petite galette. Oui, on dirait une galette. Alors c'est le chat qu'on va enterrer, c'est le jaune, hein, il est... Arrêtez, c'est un vrai chat mort. Attendez, ça passe pas sur Twitch, ça. Attendez, est-ce qu'on voit le chat? On le voit, le chat, ou pas? Ça passe, t'inquiète, ça passe. C'est un acteur, le chat. On le voit de fou. Non, arrêtez, les gens, ils vont être choqués, arrêtez. Dans la vérité, on va pas mettre un chat mort, arrêtez, ça se fait app. Ah, des gens, ça va les rendre tristes, trigger warning. Attendez, je regarde un peu quand même. Il est mort, il est crevé. Alors moi, je fais pas de sensiblerie, hein. D'ailleurs, à ce propos, le pape a déclaré, comment il s'appelle déjà ? François. François a déclaré que les gens aimaient, enfin, ils avaient remplacé les animaux, les enfants par les animaux, et je suis d'accord. Attends, mais c'est... Attendez. Ouais, bon, on va pas regarder ça. J'arrive pas à cliquer sur les liens. Allez, même un peu goofy comme ça, ça m'amuse pas, moi. Ça, je trouve ça unfunny, j'ai juré. Hein. Une heure sur l'aide sociale à l'enfance, hein. C'est moi qui ai besoin d'une aide sociale, là. Hein. Iconic a pour mission d'aider les créatifs à atteindre leur objectif, et pour ça, on a créé une... Ah, c'est bon. Masterclass. Ah non mais... L'île aux fleurs, mais t'as cru que j'avais 18 ans, que je fumais des joints? On va regarder l'île aux fleurs, et après on pourrait mettre j'ai vomi dans mes cornflakes, et ensuite on pourrait regarder la planète sauvage, non? Regarde, j'ai acheté 10 euros de shit et du passoa. On va passer une super soirée, mais va te faire enculer, ça va, c'est bon. Oh là 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 là. Dinguerie, hein. Ich mach einfach auf. Soll ich aufmachen, Jungs? Einzelchat! Boah, ich trau mich nicht. Encore molle et tout. Ah, en gros, les gens là, il ouvre les cadeaux de ses viewers et il y a un caca dans son plastique.
scheiße geschickt. Sag wirklich einer Scheiße geschickt. Mais pourquoi il la garde dans sa main, on est d'accord? Pourquoi il la garde aussi longtemps? Visiter le village de l'ancien temps. Nouvelle-France. Je n'en reviendrai pas. Tout est rien. Vieux ici. Des vieux murs de roche. Ta vieille asphalte. Des vieilles shorts, plusieurs choix d'activités. C'est immensément pas drôle. Hein. Pff, oh, ça y est, vous êtes devenu chiant. La différence, je pense, c'est la guerre. Et nous, on a fui la guerre, en fait, tout simplement. Toi, tu prends un ban, toi. Hop, 10 minutes sur ça. C'est moi. Vieille calife de merde, là. Tu perds ton temps avec les califes de merde. Putain. Quoi? Perds ton temps, la vidéo. Vas-y, hein, des vieilles califes. Vas-y, hein, des vieilles califes de merde, là. Tu perds proutes. Ton temps avec les califes de merde. Putain. Perds ton temps, la vidoam. Tu perds ton temps. Pourquoi il y avait des proutes? Attendez, j'ai pas compris, venez d'où des proutes? Attendez, est-ce que c'était... Vas-y, hein, des vieilles... Pourquoi il y avait des proutes d'un coup? C'est terrifiant. C'était trop bizarre. C'était la vidéo du Pikmin, là? Ok. Ah, mais ça, en fait, c'est la pire méthode. On a déjà essayé avec Danny de trouver des vidéos comme ça. C'est la pire méthode, hein, pour trouver des vidéos, hein. Est-ce que vous m'avez envoyé le truc sur les TDA, c'était bien, mais... Nice try. Nice aim. Ah, bah bien joué. T'as vipé, t'es là. Joke's over. Là, tu touches les couilles. Tu dois... Si tu piques mid, si t'es mid, tu surveilles le mid, frère. Mais t'es trop nul, Brink. De ta mère, la pute. Spike planted. Il se fait insulter par des enfants, il a le seum. Il est en train de péter un câble de fou. Mais moi je sais pas insulter les gens, frère. Je suis trop nul en insultes. Mais Brimstone, va sur ça, nique ta mère la pute. Eh va sucer les seins de ta mère et ferme ta gueule, fils de pute, va. Ta gueule, enfant de putain. Tu casses les couilles à tout le monde, fils de pute, va. Ta gueule. Eh, je vais t'attraper. Je rigole, pute. Mais c'était quoi? T'es en 5-9, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, mon gars, ferme ta gueule, c'est pas croyable. Joue et ferme ta putain de gueule de fils de putain. Ta mère a des énormes moustaches, je suis en train de têter là, et ferme ta gueule. Apprends à jouer, fils de putain, va. Ok. Forceur un peu, la vérité. La vérité, forceur un peu. Bon, sinon, on match JDG, non? Il est où? Ah, y'a ça, sinon, une expérience. Tataki, là. Petit JDG, non? Les jouer, là. Allez. Petit JDG posé, là. On va se calmer. Le Tasty est de boisson énergisante. Beaucoup moins d'emballage qu'une canette. Pas de sucre. Ah, ça, on a une proposition pour faire ça. Et Ah non, je vais rien dire au cas où on en ait à nouveau une. C'est bien. Ni de taurine, tout est à base d'arômes et de colorants naturels. C'est bien. Ah, on sent bien le dioxyde de silicium ou silice qu'on retrouve également dans les composants de cartes mères. Et c'est ici, dans la Creuse, qu'on fait pousser de manière naturelle les meilleures cartes mères venues de toute la France afin de récolter le délicieux ingrédient de vos boissons préférées. Oui, bon, oui, en fait, pourquoi je regarde ça? Pourquoi? Et évite le cri et l'arbre olive offrant.
Sur cette chaîne, on a beaucoup abordé le thème des jeux vidéo, mais je crois pas qu'on ait beaucoup abordé le thème des jouets, ces merdes en plastique qu'on a tous eu par kilo étant gamin. Et peut-être même plus longtemps dans notre cas, hein, les gens de mon âge, parce qu'on a grandi à une époque. Sur ce disque, ouais, non, là, bref, je fais la blague, on vous la fasse si vous êtes des connards. Où il y avait moins de consoles et de jeux si facilement accessibles, comme c'est le cas maintenant. Parce que, oui, chaque génération a eu ses trucs, que ce soit des cartes Pokémon, des Action Man, des Tortues Ninja, des G.I. Joe, des jouets Jurassic Park, des Barbie, des Majorettes, des poupées, de toutes les formes possible, des petits soldats. Est-ce que vous vous souvenez de votre jouet préféré de quand vous étiez gamin, le chat ou pas? Moi, je me rappelle de mon jouet préféré. C'était un dinosaure un peu mou. Et ce qui était fascinant, c'est que tu pouvais enlever un bout de peau sur sa côte et tu voyais ses os et sa chair à l'intérieur. Et ça me fascinait de pouvoir faire ça. Et c'était un jouet exceptionnel de fou. Et c'était de la frappe. Voilà. Je l'avais. Oui. Ah, vous connaissez? Il y en a qui connaissent ce truc-là? J'avais ce dino, il y avait un petit truc rond là qui était là, là. Tu l'enlevais et tu voyais le truc à l'intérieur. Ultra connu. Le T-Rex marron, exactement, tout souple. Et j'avais trop fait ouvrir sa bouche. Du coup, le fond de sa gorge s'était déchiré. Et il y avait un peu les peluches qui sortaient. Mais du coup, c'était encore plus matrixant parce qu'on avait l'impression qu'il vomissait de la bave bizarre de peluche, quoi. C'était une dinguerie. C'était le T-Rex de Jurassic Park, oui, c'est ça. Il était incroyable. Incroyable. J'ai perdu de bout de chair, oui. Montre-nous. Bah oui, je l'ai, là. Hop, je le sors. Eh ben non, je l'ai pas, je m'en veux. Arrête. Un Skeletor avec un bras en moins. Un bout de bois et une orange. Oui, allez, d'accord, d'accord. J'avais attaché mes 15 peluches ensemble et je devais leur dire bonne nuit avant de dormir. C'était ma première pression sociale. Bah après, fallait pas les attacher encore. Tu l'as encore chez tes darons? Ah ouais, je l'ai encore. Incroyable. Un Batman. Les caplas car je suis HPI. Ouais, d'accord. Les sous-marins Tortue Ninja. Ah, moi, je crois que j'avais aussi le truc Tortue Ninja, je crois. Où c'était une tortue qui s'ouvrait, là. Il y avait Shredder en haut, là. C'était un sous-marin, ce truc. C'était un sous-marin, ce truc. Oh, ça explique beaucoup de choses. Oh. Mighty Max, je connais pas Mighty Max. Ok. Ah, bref, les jouets, on a tous ça en commun. Et forcément, ils sont accompagnés de souvenirs d'une période où nous vivions dans l'insouciance. Parce que, après tout, vous le savez, hein, les jeux vidéo sont pour les enfants monstres satanistes en échec scolaire. Mais par contre, Action Man spécial gaz moutarde, là ça va. Là, au moins, les gens qui fabriquaient des jouets, eux, ils étaient soucieux de la qualité éducative de leurs produits. C'est pas comme les jeux vidéo, ils peuvent pas être foncièrement méchants. Ça, c'est pas méchant, c'est juste bizarre. Parce que j'imagine que maintenant... C'est vrai qu'il y avait une obsession pour les gosses qui pissaient, c'est vrai, je me rappelle ça. C'était une dinguerie d'avoir des gamins qui pissaient. Et c'était le top du bail. Parce qu'encore moi, je me rappelle que la base du truc, c'était genre tu couchais le truc, ça fermait les yeux et tout, machin. Ok, Kelly, non, arrêtez, arrêtez. C'est good at pipi, c'est good at pipi. Non, vous vous doutez bien que le monde du... Parce que t'as pas d'enfant, mais moi, non, mais attends, mais si j'avais un gosse et qu'il voulait un truc qui lui pisse dessus, dit comme ça, j'aurais moins envie de l'acheter, en fait. Mais bon, s'il voulait vraiment ça... Jouer est beaucoup moins naïf que ce qu'on imaginait quand on était enfant, hein. Que ce soit Monsieur Patate, les petits poneys ou les jouets chevaliers du Zodiac, c'est surtout des recettes développées par des armées d'agents du marketing. Mais parfois, les agents du marketing, eh bien, ils font n'importe quoi. Taisy, ça arrive. Et aujourd'hui, on va revenir sur des jouets qui ont marqué leur époque, mais pas de la meilleure des façons. Et on va commencer par les poupées. Je pense que ça va être des trucs toxiques, des trucs avec des petits bouts à avaler. J'avais vu une vidéo comme ça. Où il y avait des trucs genre pour faire je sais plus quoi, où dans le jeu t'avais une sorte de grille-pain mais qui pouvait électrocuter le gosse ou le brûler au quatrième degré, des conneries comme ça, ou des trucs de pâte à modeler turbo-toxique et tout, c'est classique. Poupées. Alors vous savez qu'il y a de tout hein. Dans ce domaine, il y a les poupées qui font pipi, les poupées qui font popo, les poupées qui pleurent, les poupées qui font les trois en même temps. Eh bien, parlons de la poupée qui n'a pas de parents. Chimie 2000, ouais, je pense well, que c'est that ça. Someone is little Miss No Name. Après ça, très esthétique emo Twitter, ça. She's the doll who needs more loving care than wow, any doll. Wow, wow, c'est ultra sombre de fou. You've ever had. She has la pub de ce jouet. Ouais, elle est terrifiante. Wow.
Et nous présente donc cette poupée qui, d'après la voix off, n'a pas de chaussures, pas de jolis vêtements, elle n'a même pas de nom, et en plus, elle a une larme qui pleure tellement qu'elle est triste. Oh. Voilà la poupée réfugiée du Mali, elle a pas de chaussures. Wow! Wow, wow! Oh, c'est quoi? Wow, wow, la blague, wow! Wow, c'est... Je suis pas sûr de celle-là, hein, je... Sûr, pas de vêtements, et par contre, elle pleure pas, elle est déshydratée. Alors, je... Ah ouais, on va faire comme si c'était rien passé, hein. C'est pas ce qui est le pire, hein, le fait qu'elle ait une tête à sortir tout droit d'un de ces films d'horreur où la poupée se téléporte à différents endroits de la maison en te regardant, ou le fait qu'il s'agit clairement d'alimenter le complexe du sauveur de toutes les petites jeunes filles blanches dont elle est la cible. Bref, Little Miss No Name est, comme son nom l'indique, une petite orpheline sortie au milieu des années 60, elle avait... Après... Je suis sûr que t'as des gens aujourd'hui... En fait, je trouve que elle a un truc, quoi. Ça veut dire que la vérité, elle ressemble vraiment à aucune autre poupée, quoi. Genre... Elle était annoncée comme l'anti-Barbie par excellence. Et pour cause, ici, pas de robe multicolore, pas de camping-car ou de maison de vacances, puisqu'elle est... Pauvre sa mère! Ah, je suis sûr que quand elle se balade dans un parc, c'est les pigeons qui lui jettent du pain, dis donc! C'était d'ailleurs même l'un de ses principaux arguments de vente, faire comprendre aux enfants rois qu'ils ont bien de la chance puisqu'il y a pire ailleurs. Ah, le fameux mange tes légumes parce qu'il y a des petits enfants en Afrique qui ont rien à manger. Et donc, du coup, tu dois l'acheter, enfin, je veux dire, tu dois l'adopter pour lui offrir un toit? Parce que sinon, ça fait de toi un monstre, Emily. Est-ce que tu es Hitler, Emily? Mais évidemment, ce qui m'a... Ce qui me fait trop rire, c'est qu'il y a une gosse qui s'est retrouvée face à JDG, t-shirt Sonic, veste rouge, perruque moche, qui lui dit « Tu es Hitler, Emily !» Que le plus avec cette poupée, ce sont ses yeux disproportionnés qui semblent nous implorer de mettre fin à ses souffrances. Ce style presque dérangeant, on le doit à la peintre américaine Margaret Keane, dont les tableaux très à la mode dans les années 60 mettent en scène ce genre d'enfant aux yeux implorants. Et oh, oh oui, ce film, oh, bref. Et pour plus de questions sur les raisons de ce style, demandez donc à son psychologue. Pour ce jouet, on a donc poussé les curseurs du misérabilisme à fond, puisque la poupée est habillée dans une robe rapiécée en toile de jute. Et je pense que s'ils avaient pu lui donner des poux, il l'aurait fait. Et ce que je trouve le plus drôle... Enfin bref, vous m'avez compris. C'est l'unique accessoire vendu, une grosse larme en plastique à placer au coin de son œil pour la rendre encore plus triste. Attends, ouais. Mais moi je suis étonné que ça soit pas une trend sur TikTok, ça. Je vois tellement des zoomers TikTok avoir ce truc-là et tout. Genre vraiment, genre c'est... Tu la sors aujourd'hui, je suis sûr que tu fais de la maille. Et poupée Tumblr de fou. Tellement misérable qu'avec sa tête, là, même dans Germinal, ils en voudraient pas. Donc effectivement, le jouet a vite été retiré de la vente car, bizarrement, ça marchait pas. Faut croire que les gamines n'ont pas spécialement envie de voir une poupée en dépression sur leur étagère. Et les enfants, vous aimez les objets phosphorescents? Ah ça va être les jouets toxiques, ça. Vous aimez les super pouvoirs? Vous aimez l'énergie abondante et bon marché? Oui, et ben ça c'est plutôt les parents. En tout cas, eh bien sachez que les objets phosphorescents, genre les petites étoiles qui brillent la nuit là qu'on accroche dans les chambres d'enfants, eh bien ça date pas d'hier. Nos ancêtres en avaient déjà, et pour les faire briller, comme on n'avait pas encore vraiment isolé la substance chimique qui permet la phosphorescence, qui est le... phosphore, bien joué, le phosphore blanc même d'ailleurs, eh bien on utilisait ce qu'on avait sous la main, c'est-à-dire l'uranium. Ça, c'est dingue, dès le Moyen-Âge, des... Mais non. Ça veut dire qu'ils ont filé des jouets nucléaires aux gosses. Veines d'uranite sont exploitées dans les mines d'argent en Allemagne et dans l'actuelle République tchèque. Ce minerai va servir de base aux premières recherches sur les matières radioactives qui permettra d'isoler l'uranium en 1789. Et c'est à partir de cette date que des verriers vont commencer à ajouter de l'oxyde d'uranium à leur catalogue de colorants parce que ça fait cette petite lueur verte qui est trop mignonne la nuit. Et évidemment, on en fera aussi des jouets avec des figurines un petit peu naïves, des boîtes à musique. Après ? C'est stylé un peu. C'est stylé un peu. Mais du coup, ça, c'était radioactif ou... C'est vraiment radioactif de fou ? Pas très très dangereux. Bélec. Faut pas le lécher. Faut pas le casser.
Vous êtes pas d'accord dans le chat, hein. Faut pas le mettre dans la bouche, si ça casse. Ah, mais c'est comme les thermomètres au mercure. Tant que tu le casses pas, c'est safe, en fait. Ou même des dinettes ou des hochets. Oh, regardez-le agiter son hochet, il est trop mignon quand il sourit. Avec ses deux bouches, là. Et chose plus surprenante, on trouve encore parfois ce genre de bibelots dans des brocantes, des gens qui s'en débarrassent sans trop savoir ce que c'est. Pour ça, il suffit juste de passer un petit peu de lumière à UV dessus, et... c'est de l'uranium. Attends, mais il est complètement con, là ! On est d'accord que... Attends, c'est un effet qu'il a fait, il a pas vraiment déjoué en uranium, là ? Non, c'est une vanne qu'il fait, là. Dans le verre, c'est pas dangereux. Il en a acheté. T'en prends 100 fois plus en passant une radio. Ah oui. Ok, voilà. Ok. Alors, cela dit, pas de panique, encore une fois, si vous avez ça chez vous, il suffit juste d'éviter de le casser et d'en respirer la poussière ou de lécher, mais ça serait bizarre de faire ça. Alors bon, pour l'anecdote, on devait recevoir des jouets à l'uranium, là c'est des verres évidemment, le problème c'est qu'ils sont restés bloqués dans une poste à Nantes. D'ailleurs, si vous travaillez à la poste de Nantes, ne cassez pas notre colis, je vous en supplie. Mais attends, mais... Genre aujourd'hui ça se vend légalement ces trucs là. Attendez, mais c'est hyper dangereux, non ? Ne cassez pas notre colis. Voilà. Bon, je vais poser ça et je vais aller me laver les mains. Hein. La radioactivité ne sera découverte qu'un siècle plus tard, notamment grâce aux travaux de Pierre et Marie Curie, et le cancer qu'elle contractera n'empêchera pas l'uranium ou le plutonium de perdurer dans les produits de grande consommation. On trouvera par exemple de la peinture aux traces d'uranium ou même des crèmes pour la peau à l'uranium. Ah, ah bah c'est bien, des crèmes pour la peau, je pense que ça c'est safe de fou, hein. Ah, pour un teint... radié. Enfin, radieux. Remis au goût du jour pendant la Grande Dépression, ce vert fluo ne va pas survivre à la Seconde Guerre mondiale. Les stocks d'uranium seront saisis par les autorités américaines comme françaises pour en faire... bah, vous savez très bien quoi, hein. Bon alors, le suivant, oh, c'est pas vraiment le pire jouet, hein, mais c'est juste que moi je les déteste. Et en vrai, j'ai appris que très récemment que ça existait encore quand je suis allé au cinéma et que j'ai vu la bande-annonce d'un troisième film à sortir. C'est fou, les Trolls, je m'en souviens que très vaguement, mais j'étais persuadé que c'était une mode temporaire des années 90, comme avaient pu l'être les tututs, ce que certains appelaient aussi les totoches, ou les babies, là, ces espèces de bébés en plastique que les filles collectionnaient. J'ai pas connu ça, je pense que j'étais trop jeune. Mais je me rappelle que ma sœur, elle en avait des trucs Trolls. Elle avait un porte-clés troll. Je trouvais ça trop bizarre. J'ai jamais compris la fascination. Mais ça, c'est plus mon frère et mes sœurs qui sont plus vieux que moi. Genre. Bon. Un peu éclataxe, on est d'accord. Un peu éclataxe. Et il y avait un film qui était sorti et tout le monde était en mode. Oh, le film est vachement bien en fait. C'est un peu cool. Ouais, je parie que vous aviez oublié ça. Les trolls sont des horribles merdouilles. Ah, Jojo, c'est plus ma génération déjà. En plastique avec des cheveux multicolores. Alors c'est bien simple, au début des années 90, ces trucs sont apparus absolument partout. Alors moi ça c'est ce que j'appelle les jouets boîtes de céréales parce que c'est typiquement le jouet de merde que tu retrouvais dedans. Vous savez, tous ces trucs de merde là que les filles mettaient au bout de leur crayon en classe. Les trolls s'inspirent du folklore de l'Europe du Nord évidemment et c'est au Danemark de la fin des années 50 qu'un bûcheron nommé Thomas Dam va créer le premier d'entre eux. Trop pauvre pour offrir à sa fille la poupée de ses rêves hein, parce que visiblement il était encore plus pauvre que la poupée dont on vient de parler il y a quelques minutes, Thomas va donc lui façonner un petit troll. Mais c'est méchant de faire ça. Ta gamine elle veut une poupée, tu lui ramènes un troll moche. C'est méchant. Tu voulais pas lui faire une poupée ? Au sommet duquel il ajoutera une petite mèche de laine. Le succès est immédiat dans la ville de Gjol. Gjol, je sais pas comment on dit ça. Et les commandes affluent. Thomas Dam va développer des figurines en plastique soufflé et elles vont connaître un premier succès dans toute l'Europe avant de s'exporter aux États-Unis. Malheureusement, Thomas n'est pas un homme d'affaires et il préférera abandonner ses droits d'auteur à l'international permettant la sortie de millions de contrefaçons. Ladies and gentlemen, your next president, Russ Troll. Troll russe ? Ah, je connais ça. Bref, les trolls danois reviendront dans les années 80 sous le nom de Norfin, mais quasiment toutes les marques vont tenter leur chance. Hasbro va proposer des trolls de combat, les céréales Wheatos, des mini-trolls qu'on met au bout des crayons. Et le troll va devenir une vraie mode des cours de récré. Oui, ok. Une mode de merde.
Il faudra attendre... Oui bon, t'as un t-shirt Sonic un peu gaze, dose... Le début des années 2000 pour que l'État danois obtienne le rétablissement des droits de ce trésor national. Oui. Les trolls ont fait l'objet d'un traité international. Vraiment. Je comprends rien à la vidéo. Rien d'autre à foutre. Bon, alors... Tortue Ninja, en jouer, c'est la base. Voilà, alors moi j'avais les Tortue Ninja parce que j'étais trop pauvre pour avoir des figurines Chevalier du Zodiac. Et dans les années 90, vous êtes nombreux à avoir eu cette version-là. Ah ça, ouais, moi j'avais ça, moi. Moi j'avais ça de fou, par contre. Ça de fou, ça. Ça j'avais, ils étaient stylés, la vérité. La vérité, ils étaient stylés. Après, tu perdais de fou leurs armes et tout. Mais ils étaient basés, ceux-là. Par contre, Splinter, il est... Splinter, il fait la gueule un peu. Autant les tortues, ça va. Autant Maître Splinter, là, c'est Maître Sphincter, là. Il est tout dégueulasse. Hein. Ah, avec les tortues aux yeux blancs et le Shredder rachitique qui avait l'air d'être sorti d'un camp de prisonnier allemand en 45. Faut dire qu'avec le dessin animé... Pas vraiment, c'est léger, mais ok. ...de 87 qui a duré un certain temps et les jeunesses, évidemment qu'on allait avoir droit à des centaines de produits dérivés en jouets. Les Tortues Ninja, ça a clairement été, je crois, dans le top 3 des jouets qui ont duré le plus longtemps et qui ont subi à peu près toutes les modes possibles. Il y a vraiment tout eu, et quand je dis tout, c'est je pense vraiment tout. Il y a eu des centaines de variations pour clairement des milliers d'accessoires, c'est quoi, ça ? Les véhicules, le technodrome, des dizaines de personnages secondaires à la con apparus pendant un demi-épisode de la saison 7, et parfois, même pas hein. Parce que, justement, un des concepts de la série, rappelez-vous, c'était que les tortues se déguisaient souvent pour passer inaperçues dans les rues de New York. Oui. Alors c'était évidemment aussi con que ça pouvait l'être dans Denver le dernier dinosaure, puisqu'elles avaient cette énorme tête verte qui dépassait dessous leurs vêtements. Mais en tout cas, c'était un argument qui suffisait aux fabricants. Pourquoi ça a marché, les Tortues Ninja? Ça n'a aucun sens, le concept. Non, vous êtes des ouf, les dessins animés, ils étaient trop stylés, les gens. À base de dans les égouts, en mode ninja... En plus, c'était un peu la vie, genre, tu sais, quand tu commençais, t'approchais un peu de la vie d'ado. Ils avaient un côté un peu grand frère, à vivre dans une cave, bouffer des pizzas, aller se taper. Et surtout, les méchants étaient grave stylés. Déjà, mettre le rat, mettre Splinter, trop stylé. Les méchants étaient grave stylés et tout. Non, franchement, c'était bien arrêté. C'était lourd, les Tortues Ninja. Et quand jouer pour ouvrir les vannes en grand. Donc, il y a eu... tout le cirque, qui n'était même pas dans la série. On a eu les tortues trolls, dont on parlait juste moche. Avant. On a eu des tortues baseball, des tortues football américains. Oui, bon, après, les jouets, ils ont essoré le bordel, on est d'accord, mais... Des tortues bouche d'égout, des tortues clowns, des tortues soldats, des tortues préhistoriques, des tortues fermières, des tortues Star Trek. Oui, oui, il y a vraiment une tortue ninja, monsieur Spock. Il y a même eu des tortues-tortues. Avec cette pub qui te vend à merveille votre tortue qui peut devenir une tortue. Alors oui, je sais, c'est le principe du dessin animé, l'origin story, le mutagène, machin, etc. Mais le commercial qui a réussi à vendre cette idée, c'est quand même un putain de génie. Hein. C'est comme si on te vendait une figurine de Batman, sauf que c'est Bruce Wayne enfant. Et oui, me répondez pas, je sais, je suis sûr que ça existe aussi. Dans les séries de jouets suivantes, ça va tourner de nouveau au grand délire, avec Shredder qui se transforme en ex... Ah j'avoue, sa vidéo, je m'attendais mieux, quoi. C'est pas non plus les pires jouets, quoi. Autant après, si la figurine de meuf pauvre, là, et l'uranium, c'était marrant. Mais bon, là, les Tortues Ninja, oui, bon, c'est des jouets Tortues Ninja, qu'est-ce que je te dise. Excavatrice, Leonardo en camion de pompier, Donatello qui se change en voiture de course, avec cette voix off qui est beaucoup trop enthousiaste, d'ailleurs. Et je vois pas trop où ça va en termes de scénario, cette pub, hein, d'ailleurs. Cool. Bon, on fait quoi maintenant? Mais les tortues ne vont pas en rester là, et il me faudrait une vidéo D'accord. complète pour vous faire la liste de toutes les fois où on a essayé de nous vendre de la merde avec cette licence. Ok, le pistolet à eau mortel. Un bon jouet, qu'est-ce que c'est? Je dirais que c'est un élément ludo-éducatif, narratif, qui permet à l'enfant d'éveiller ses sens, sa curiosité, et de s'interroger sur sa relation avec le monde et avec ce qui l'entoure. Sinon, on peut aussi leur donner des flingues. On a tous eu des pistolets à eau, l'été c'était bien quand même sûr, cool. Trop bien. Mais à la fin des années 80, la marque LJN va aller un peu trop loin dans le réalisme. Oui. Oui, oui, LJN. Ouais, c'est les mêmes qui font les jeux de merde là, dont on a déjà parlé. Ok, LJN. J'étais en mode, je suis censé connaître et tout, j'allais dire, ouais, je connais de fou, ok, truc de jeu vidéo de merde, bon, ok. Même faire tuer des gens. Cette marque de l'enfer.
Pourtant, l'idée de base, ça va, hein, c'est un pistolet à eau. Mais ce vendu sous la marque Intertech se voulait justement particulièrement qualitatif, avec une pompe alimentée par batterie permettant, d'après la pub, d'atteindre des jets de 10 mètres. Et surtout, époque oblige, un excellent design. On est en plein dans la hype des gros films d'action, genre Rambo ou Terminator. Donc, former des enfants soldats, non, arrêtez, jouer à la guerre, c'est trop marrant. Par contre, la vie de eux, il ne faut pas acheter d'armes. Merci Fonzi. Il ne faut pas acheter d'armes à ses enfants. Ça prend la vie de Golemon, je suis désolé. Genre, enfin, c'est trop rigolo d'avoir des pistolets. Nous, le truc qu'on a acheté, ce qui était trop bien, c'était les pistolets à billes, là. Ça, c'était de la frappe de fou. On faisait des cibles et tout. C'était trop bien, on se tirait dessus avec. Après, le problème, c'est que genre, ça pouvait t'arriver dans les yeux. Moi, ça va, ça m'est jamais arrivé. Mais des fois, on mettait des lunettes et tout. Trop bien, les pistolets à billes. C'était de la frappe, c'était trop rigolo. Voilà, la mode est aux armes factices, mais très réaliste, qu'on pourrait presque confondre avec une véritable arme automatique. Airsoft, non mais c'était pas des airsoft, c'était des pistolets à billes pas ouf qu'on a achetés, ils étaient pas très puissants quoi. Avec son plastique noir et ses chargeurs interchangeables. Attends, j'ai dit presque ? Non, je voulais dire qu'on pouvait complètement confondre avec des vrais. Et là, vous sentez venir la couille, hein. Mais parce non. Que en quelques mois... Il y a des gosses qui se sont fait tirer dessus à cause de ça ? Ça va être l'hécatombe. Les pistolets à eau étant confondus avec des vraies armes, ils provoquent régulièrement des fusillades avec des commerçants ou avec la police. La polémique enfle et le fabricant aura beau tenter de rajouter un capuchon orange comme cela est demandé par les associations parentales. Et oui, ça vient de là et de cet incident-là, ce petit bout orange que vous voyez parfois sur les jouets flingues dans les magasins. Et bien malgré ça, rien n'y fait. Les pistolets à eau Intertech seront utilisés dans des dizaines de braquages à main armée et laisseront derrière eux leur lot de bavures. Et plusieurs centaines de morts. Voilà, pas mal, LGN. Plusieurs centaines de morts. Non, mais après, les États-Unis se payaient un problème. Genre, le problème, c'est les ricains aussi. Genre, c'est un truc de ouf. Là, j'avoue, Infogrames en France, ils se contentaient de niquer le cerveau, mais par contre, le corps, ça allait. Et bref, avoir versé plusieurs millions de dollars à des proches de victimes, son fabricant disparaîtra au début des années 90. Et ce que je viens de vous raconter là, et la raison pour laquelle maintenant les pistolets à eau ressemblent aujourd'hui à des gros trucs multicolores. La guerre, c'est pas toujours cool, vous savez. Nous, on est là, on joue à la guerre, on est là avec des tanks, des avions, des soldats qui se tirent dessus, des lance-missiles, machin, etc. Mais je trouve qu'on oublie l'essentiel quand même. L'élément fondamental de toute vraie guerre, c'est tirer sur des civils quand même. Et c'est peut-être, mais probablement pas, ce qui a poussé le fabricant de jouets français Bercher à proposer une gamme de figurines sous licence Mission Médecins Sans Frontières. L'association humanitaire était particulièrement médiatique dans les années 80. Timing malheureux déjà, timing un peu malheureux. J'ai pas le lien. Après, les jouets Médecins Sans Frontières, ils sont un peu stylés, non ? Non, je sais pas. Vous trouvez pas ça un peu stylé en vrai ? Non ? Non, mais attends. Ah, j'attends peut-être alors. J'attends Mission alors. Médecins Sans Frontières. L'association humanitaire était particulièrement médiatique dans les années 80. Bernard Kouchner, son cofondateur, n'hésitait pas à se mettre en scène avec un sac de riz sur le dos et les nombreuses campagnes de dons vont faire du French Doctor une véritable figure populaire. Le concept de la gamme MSF, c'est donc de proposer pour la première fois des médecins et des infirmières à l'échelle des très populaires G.I. Joe. Du coup, les deux figurines étaient à la même taille. Ils étaient faits pour jouer ensemble. C'est pas possible qu'ils aient pas pensé. On a donc trois victimes civiles, Mélissa, Abdou et Samba. Chaque personne a même une petite histoire. Mélissa, la mère, vient prévenir qu'une épidémie de malaria frappe son village. Abdou... Je viens de littéralement regarder la vidéo Batman de JDG et demander à Benji si tu l'avais vu et que tu avais explosé. Où le père s'est cassé une jambe en tombant dans un piège à gazelle et le jeune Samba s'est fait mordre par un serpent. Et tout ce petit monde va donc être placé au milieu des gros G.I. Joe américains qui se tirent dessus à coups de canon laser. Alors je suis sûr qu'ils sont ravis d'être là. Alors évidemment, faudra compter sur le bon sens des enfants pour les petites histoires qu'ils inventeront. Oh, j'ai faim, mon village n'a plus d'eau, j'ai besoin d'aide. Mais c'est cursed. c'est cursed de fou. Mais attendez les gens, vraie question hein. Pourquoi on est plus choqué par ça que par Action Man ? Oui, non, en fait, c'est normal. Je voulais chercher un truc pour justifier, mais non, j'y arrive pas.
cause de ton stream, j'ai acheté Batman Year One. Très bien, très bon choix. Très bon choix. Après Batman Year One, tu peux lire, tu peux enchaîner sur Dark Knight, Dark Knight Returns, Long Halloween, Amère Victoire. Et après, tu passes à autre chose, c'est bon, t'as fait le tour. À l'aide, Médecins Sans Frontières! J'avais vachement plus de temps que dans mes souvenirs. Forcément. Oui. Non, mais après, je vois sa blague. C'est réel que souvent, si t'avais d'autres jouets, bah ça finissait comme as, quoi. Je vois ce qu'il veut dire. J'ai quatre garçons, dès qu'ils ont un truc dans la main, ça devient une arme. Bah oui, oui, c'est réel. Non, mais c'est réel. C'est pour ça que sa blague est un peu réaliste. Sa blague est un peu réaliste. Alors bon, les personnages noirs sont des victimes et tous les soignants sont blancs, seul le garde forestier en uniforme kaki semble être local, et avouons-le, avec leur visage émacié et leur cote apparente, ces jouets ne sont pas forcément du meilleur goût, hein, et font référence aux nombreuses famines médiatiques qui ont pu frapper l'Afrique au cours de la décennie. Le principal argument était la promesse d'un vaccin pour Médecins Sans Frontières à chaque figurine vendue. La vidéo Batman était mieux, du coup, en tout cas. Eh ben, au final, il n'y a pas eu beaucoup d'activités grâce à ces figurines. La vente de ces jouets fut un flibidi-flop et on ne retentera jamais l'expérience. Et d'ailleurs, après la première opération Tempête du Désert, les G.I. Joe, eux aussi, vont se porter sur des combats moins directs, notamment contre les éco-terroristes. Et je pourrais continuer cette liste pendant de longues heures, il y a eu des tas de jouets scandaleux au concept foireux, mais on verra ça une autre fois. Sur ce, j'y vais. Où ? Vous nettoirez l'uranium avant de partir. Celle-là était drôle. Oui, bon, c'était pas sa meilleure vidéo, voilà mon avis. On n'a plus rien à regarder. Ouah, c'était le pire stream aujourd'hui. Hein. C'était le stream pour rien. Stream de Gaulmont un peu. Hein. J'avais pas mis un autre truc de côté à l'expérience Tataki de Gaulmont là. Sandani, t'es du père, mais ça fait 2 semaines. Mais vas-y, toi, t'es ban. Tiens, va te faire enculer. Hop, 24 heures, tu prends, toi. Petite merde, va. Ah non, vous renvoyez des trucs, ça va être éclaté. Hein. Des belges sur Second Life. Je crois que je l'ai déjà vu. Je suis sexy, là, quand même. Ah oui, ça, c'est la plus belle, là. Je suis la plus belle, là. Ah oui. C'est gentil de me faire des compliments. Eh, hey, mais on peut aller se mettre autour du feu de camp, on aura plus bel air que rester debout. Oui. Stop, c'est ban Twitch. Pourquoi c'est ban Twitch? Pourquoi c'est ban Twitch? Pourquoi c'est ban Twitch? Qu'est-ce qu'est ban Twitch? Second Life, ban de Twitch? Attends, pourquoi? C'est un jeu ban sur Twitch? Au secours! Pourquoi vous avez envoyé ça? Pourquoi vous envoyez des trucs teubés? Oh, mais attendez, les gens, non, vraie question, by the way. Pourquoi il est ban, le jeu, sur Twitch? Ah, parce qu'il y a full cul. C'est vrai que c'est un jeu du RP sexe, quoi. Oui. C'est la lune. Donc. Pour qu'on en finisse enfin avec le communisme. Aujourd'hui, on va vous parler du communisme. C'est quoi ça? Donc, il y a une chose qui nous énerve presque autant que le racisme, c'est le communisme. C'est sale. Bon, déjà, pourquoi est-ce qu'on en parle encore du communisme en France au 21e siècle, putain? Je pense que le temps de parole sur le communisme dans le monde, 60% c'est en France. Bon, on en parle encore parce qu'à chaque fois, à l'aube des scrutins, on a des petits relents de communisme qui reviennent, qui rejaillissent, et puis après... Attendez, c'est pas eux qui jouaient à devine ce que je mets dans ton cul? Et c'est pas eux qui avaient fait ça, genre ils se mettent à quatre pattes, ils lui mettent des trucs dans le cul, il doit deviner ce qu'il a dans le cul? Après ça, c'était un peu du génie comme vidéo. Ça, la vérité, attendez les gens, parlons-en. Avouez que c'est un peu du génie la vidéo, devine ce que je mets dans ton cul. Franchement.
Franchement, ça, c'est un peu basé. Non, non, on va pas mettre ça. Non, 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 non. Au placard. Mais bon, pendant ce temps-là, on s'aime à rêver à la révolution. Mais oui, on est tous tellement opprimés. Donc, après, moi, je vous sens homophobe. C'est ça qui m'énerve quand on regarde ça. Aujourd'hui, on va vous faire les problèmes du communisme, de l'anticapitalisme et des décroissants. Pourquoi est-ce qu'on ne doit plus en entendre parler? Parce que ça n'a jamais marché. Georges Marchais, du reste. Les communistes ont toujours... Ah bah il sait de quoi il parle, il connaît Georges Marchais, ça n'a jamais marché. Il me rend homophobe, ah ça, vos excuses pour être homophobe, allez vous faire foutre. Hein. Donc ça n'a jamais marché. Par contre, qu'est-ce qui a marché? Qui a créé des classes moyennes? Qui a sorti des centaines de millions de personnes de la pauvreté? Le libéralisme et le capitalisme. Ouais, ça par contre c'est un fait. Même si aujourd'hui effectivement il y a des choses à revoir et des choses qui marchent plus vraiment. Mais historiquement, celui qui a enrichi les gens, qui a sorti des gens de l'oppression... Chiant, en fait. Le programme de Mélenchon. On l'a fait, hein. On l'a fait plusieurs fois, des chinois différents. Et... Oh, le résultat est toujours à mourir de rire. Deux, c'est omettre les morts que le communisme a créés. Alors oui, ça... bon, c'est le vieux débat nul sur le communisme. Oui, bon. Oui, bon. On s'emmerde un peu, je vous avoue. Voilà, quoi. Doit-on boycotter Freeze Corleone? Non, c'est pas le moment. Juan Branco, encore moins. Attaque du Hamas, oui. Pff, y a rien à regarder, les gens, je vous avoue. On est en PLS de vidéo, là. Harry Potter and the Deathly Weapons. C'est pas si drôle. Did you ever make anything happen? Anything you couldn't explain when you were angry or scared? Makers of fine guns. You're a wizard, Harry. On est d'accord, c'est pas si drôle. T'as un humour de merde. Bon. Hey, bonjour à tous et bienvenue sur le test. Oh non. Ah, j'aime pas ces chounets, moi. Vous aimez bien ces chounets? Moi, il me fait pas trop rire, en fait. J'avoue que... C'est quoi cette merde? Oula, 1h30, là, je sais pas ce que c'est, mais j'ai pas envie de regarder ça. Sur internet font les malins. C'est le cas ta gueule. D'abord. Vas-y, c'est bon, j'arrête. C'est bon. Non, c'est bon les gens, c'est bon, stop. Stop les gens. Oh, j'en peux plus. Hein. Non, non, ça va. Arrêtez les gens. La vérité, je vais arrêter plus tôt, il n'y a plus rien là. Oh, il n'y avait pas de vidéo aujourd'hui, c'était une catastrophe. Je vous en supplie les gens, on va faire un truc. Je mets le Discord dans le chat. S'il vous plaît, rejoignez Discord. Et envoyez des vidéos bien pour les prochains lives. S'il vous plaît. Et pas que des vidéos turbo-politiques ou des trucs comme ça. Essayez de diversifier, voilà. Ah, voilà, venez sur le Discord et puis ça va être bien. Conseil rap US. Non, mais bon. Pff, ça va quoi. Gérard de Suren, c'est ton ancêtre, tu connais pas, non. Une vidéo de Frio, mais on va pas regarder une vidéo de Frio, c'est une dinguerie. Comment vous êtes des connards, c'est un truc de ouf. Hein. Soirée lac. Trop bizarre les trucs que vous m'envoyez, hein. Un petit Mister Beast. Il est pas cancel d'ailleurs.
Mr Beast par hasard? C'est... Ah oui, c'est vrai qu'il a... Ah oui, c'est vrai qu'il a fait ça. Mais oui, c'est parfait, mais voilà. Voilà le genre de vidéo qu'il faut envoyer. La nouvelle vidéo de Cyrus North sur les psys. Une vidéo est sponsorisée. Voilà, vous auriez pas pu m'envoyer ça il y a une heure et demie, genre. Plutôt que m'envoyer 600 vidéos pas drôles. Voilà une vidéo banger. Plus d'informations en fin de vidéo. Et j'ai peur parce que les dernières fois où je l'ai vu, j'ai mis 15 jours à m'en remettre à chaque fois. Je pense que je suis la seule personne sur Terre à avoir la passion d'aller sur des ponts à Paris, chez les ponts avec les amoureux. Ouais. Et je prends des outils de crochetage et je crochète absolument tous les cadenas avec des couples dessus. L'anxiété liée à ça, elle t'empêche pas... Lui, il a un ressentiment sur quelque chose, le frérot. Te projeter ? Ah mais si. Ouais, j'ai une... Faire mes courses, c'est horrible. Ouais, pour moi, quand on arrive à écouter du Jul, ça devient grave. Oh okay, non, là, le pouce des grands frères. Ah, je l'ai reconnu, le puriste du rap, il était là. Il était avec nous. Oh là là. Pour un deuxième épisode, merci pour tous vos retours sur Je ne suis pas psy, asseyez-vous. Petites infos avant, merci, on le retourne à Paris parce que c'est plus simple juste avant que je parte. Mais évidemment, on va le faire dans d'autres villes de France. Ah, ouais. Voilà, on va essayer de se faire une petite tournée. Question. Avec un tourbu. On est d'accord. Dites-moi si peut-être je suis délu. On est d'accord que les lunettes et les boucles d'oreilles. Je pense qu'il vient de se faire des trous. Du coup, il a encore les trucs. Il y a un truc qui va pas, on est d'accord. On est d'accord que ça va pas à sa tête. Après, genre, les boucles d'oreilles, peut-être qu'il vient de se faire percer. Du coup, il a encore les trucs de base, quoi. Contrairement à moi qui ai des magnifiques anneaux depuis mes 18 ans. Magnifique. Oh, c'est le Garnin! Oh, c'est le Garnin! Ouais! Je coupe ce live de merde! Allez, adieu! Adieu! Ouais! Outro de live! Hop! Ouais, merci les gens! À la semaine prochaine, du coup, voilà! Ouais, c'était bien! J'ai le cœur dans le vent, la fin de I, fuck le yang, fuck le yin. T'es pas dans cuisine, t'es pas dans les gings. Tu nais dans les grands vins, t'es mort dans les villes. Défiez le du karma, nu on est vite. Blanc dans les vitres, à la barre on est 8. Kilos de shit, Audi A8. Des petites fuites, des délits de fuite. Tu dors dans nos hôtels, dans la petite suite. J'aime ni le grand flic, ni la petite suite. 10 ans en centrale, ça passera vite. 10 ans en centrale, ça passera vite. T'as implanté la pute, tu me suces la pute. J'ai mal de gorille, tu vas te manger la chute. Je veux que la pauvre et je veux que la riche. Si tu cherches le check, tu demandes à ta riche. AK-47 dans ma boîte à malice. Je m'en bats les couilles, tous ces mahalis. Avant de manger tes morts, tu vas te manger la vitre. Noir et la liste, noir et l'artiste. Je viens de passer la Suisse, je viens de passer la 6. DUC, je confirme, on a touché la cible. Ouais. DUC, je confirme, on a touché la cible. Je les encule, les enculés, ainsi de suite. T'es pas sur OKLM, il faut changer de site. Éclat de métal dans fibre optique. Mes compatriotes ont un patriotique. Quelques likes, tu t'es antibionique. Je veux dire, tu arrêtes les antibiotiques. L'OAR n'a qu'à faire de l'acoustique. Début de carrière dans l'arrière-boutique. Silicone, pas besoin de sous-titres. Je les vois agoniser, pas besoin de sous-titres. 9 millimètres, car c'est préconisé. Kunta, Kinte, terrorisé. Le rap français, Calogero, isé. Piat, son bar, Claudia, son Pedro, isé. Sol, négro, je vais te coloniser. T'as zéro swag, zéro, on va te holomiter. Première dose gratos. Le bolon, c'est fidélisé. Bon, bref, pardon. Non, je rigole, on continue, les gens. Ah, avec sa grosse tête de Golemon, là. Première dose gratos. Le bolo s'est fidélisé. Ouais, merci Stilgarna. Stilgarna le roi qui sauve ce live de merde. Merci Stilgarna. Ouais. C'est tout, ça serait énorme. Merci pour tous vos retours. Ça nous a grave touchés. Et voilà, bon visionnage. J'espère que ça vous plaira. Je me suis dit, j'ai tellement de trucs à raconter dans ma... Débat. Ce gars a acheté une chemise avec les coutures intérieures orange. Ridicule. Premier constat. C'est ultra moche. Deuxième constat. Il a clairement relevé les manches pour que tout le monde voit qu'il avait acheté une chemise moche avec les coutures orange. Ça veut dire qu'il y a une double démarche. Acheter la chemise et la mettre de manière à ce qu'on voit absolument que t'as acheté cette chemise. La montre, oui, non, mais c'est terrible. Terrible.
ma vie. Si tu veux, moi je suis allé voir un psy une seule fois dans ma vie. Ouais. Et respectez Skyheart. J'en supplie. Skyheart en plus il met pas. Skyheart il met les trucs là, les chemises trop moches de mecs qui vendent des fenêtres en PVC là avec les boutons carrés sur le col là. Avec les boutons carrés, le double col ouvert jusque là et tout. Après Skyheart c'est le seul qui a le droit de mettre ça. Ça va. Max Hildard a la limite, voilà, vous pouvez, mais Skyheart, respectez-le. Et ça, les chemises avec les boutons carrés là. Les chemises à 20 balles dégueulasses là. Je suis peut-être tombé sur la mauvaise personne, mais je me suis dit, c'est pas intéressant pour moi, c'est pas. Et pourtant, j'en avais besoin. Si tu veux, j'ai ma mère qui a eu un accident, un AVC, il y a en 2000. Okay. Et voilà, et c'est. Et du coup, ça a été difficile pour moi. Mon père, malheureusement, il a mis fin à ses jours 12 ans plus tard. Ok. Parce que. Oh, je m'en veux de m'être moqué de lui, du coup. C'est ça le problème de ces vidéos-là. C'est que je vais me moquer des gens et après ils vont dire des trucs de ouf comme ça. Ben, voilà, ça allait pas dans sa vie. C'est un peu le début de la dégringolade, si tu veux. Et au moment où il est arrivé ça à mon père, je me suis dit, je vais aller voir un psy. J'étais à la fac à l'époque, à Toulouse. Et je suis allé voir un psy et en discutant avec, je me suis pas senti à l'aise. Et je me suis dit, finalement, je peux gérer ça tout seul. Voilà. Et depuis, ouais. Je suis pas retourné. Qu'est-ce qui fait que tu t'es senti mal à l'aise? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que tu lui reproches? Ouais. Je reproche rien. Je me suis dit juste, bah, finalement, j'en ai pas besoin. C'est pas pour moi. Ou je peux m'en sortir seul. Voilà, c'est ce genre de réflexion. D'accord. Que j'ai eue. Ça va pas être intéressant. Ouais. Mais ça a été, au final. Hein. Ah, je veux voir le mec qui parle de rap. Je pense pas que ça a été une mauvaise décision. Ouais, ouais. Voilà, c'est plutôt la question que je me pose. Attends, on va voir le gars qui parle de rap. J'ai mon pote qui m'a dit que vous lui avez dit, ouais. J'espère qu'on va pas parler de trucs genre Jules et tout. Non, vous l'avez pas dit un truc comme ça? Non, je dis le niveau du sujet. C'est pas une question de Jules, j'ai rien contre lui. Mais c'est le niveau intellectuel qu'on est arrivé aujourd'hui en 2023. Ouais. Pour moi, quand on arrive à écouter du Jules, ça devient grave, quoi. Oh là là. Oh la vie de daron du rap chiant. Oh là là. Qu'est-ce qui nous fatigue? Il croit qu'il n'y avait pas des textes de rap débiles. Je sais qui c'est, Cassandre, tu sais qui c'est? Oh, donne-nous la data. Si Cassandre sait qui c'est précis, hein. Il écoute Davodka? Non, je pense pas. C'était un mec de Nuit Debout? Animateur de MJC de merde, Oussem, t'es horrible. Il me doit 50 balles de speed, arrêtez. Fan de MC Solar? Non, je pense pas, les gens. Non, Samir Hamad. Après, Ilyes, c'était un bâtard. C'est stylé, Samir Hamad. Et en plus, Samir Hamad, il est deux fous contre cette classification. Genre, justement, Samir Hamad, dans le rap d'Antello, il est pas là-dedans. Là-dessus, c'est pas un connard. Après, vas-y, vous aimez trop vous moquer. Franchement, dans les rappeurs casse-couilles, bandeurs, pouce des anciens, Samir Hamad, ça va, c'est moins pire. Fan de la Scred, voilà. Moi, le Lazisou, je suis d'accord. C'est un mec en mode scredco casé plus, tu vois. Genre truc comme as, à mon avis. Genre là, l'autre fois, je me suis fait insulter d'ailleurs, attendez. Où est-ce que j'ai reçu ça? Attendez, faut que je retrouve un message. J'ai reçu un message du pouce des anciens du rap. Attendez, faut absolument que je vous retrouve ça. Vous allez voir, c'est incroyable. Oh, attendez, faut que je le retrouve. C'était... Ah ouais, écoutez ça, les gens. Je me suis fait insulter ma daronne. Parce qu'on a parlé de Kerry James avec Wissam en disant, ouais, Kerry James, ça a vieilli. Et on a vite fait parler, mais on speed du rap à l'ancienne. Et j'ai reçu un message. Ta vidéo sur le rap avec Wissam, c'est une catastrophe. Réécoute les 4 premiers albums de MC Solar. Va écouter les 4 premiers albums de NTM 93. Quand t'écris NTM 93, c'est vraiment que c'est un daron. Hein. Réécoute l'ombre sur la mesure de la rumeur. Va écouter les premiers albums de Oxmo, les 2 premiers albums de la Scredco, les 4 albums de Fab, les 2 albums de Coma. Va écouter les 2 premiers albums des Sage-Po de Aide de la Rue. Il y a aussi l'histoire des Enmo Marron. Sur Twitch, on ne sait pas si on peut dire ça. Des Enmo Marron, de la Peg, de Big de Boule. Bref, tu fais aucune différence entre rap indé et rap commercial. Tu compares DC's et Booba à Kerry James et la rumeur. T'es éclat. T, parce que c'est écrit E plus loin que là, plus loin T, sur l'histoire du mouvement hip-hop et son évolution. Revois tes positions. Arrête d'écouter que ce que tu aimes. Ouvre tes oreilles. Ça pourrait faire du bien aux gens qui t'écoutent d'écouter du bon hip-hop de gauche des années 90. Bref, tu m'as saoulé, mais je t'aime bien. Bisous. Bisous à toi.
Bisous à toi. Alors, si c'est pour aller écouter NTM IAM, c'est mort. Skredko, d'accord. Coma, ça commence à m'emmerder. Du bon hip-hop de gauche des années 90. Le pouce des anciens. Femme incroyable. Il débite de fou. Express dit, hein, trop de la merde, expression directe. La rumeur, j'en ai parlé 10 000 fois. IAM, non, mais Jul, oui, à tous les jours. À tous les jours. Hein. Non, mais IAM, c'est chiant à mourir, les gens. Désolé. En plus, ça a turbo mal vieilli et tout. Genre, enfin. Désolé, hein. Assassin, c'est éclaté, les gens. Assassin, c'est trop de la merde, les gens. Vraiment, genre, c'est. IAM, c'est chiant à mourir, les gens. Genre, vraiment, genre, on s'emmerde. Ah, demain, c'est loin, ça dure 8 minutes. Trop bien, hein, niquez-vous. C'est bon, quoi. C'est bon. On peut se tutoyer ou pas? Vas-y. Tu trouves que le niveau intellectuel, il est... Il a baissé. Ouais, je vais pas parler du mot système, mais tout est fait pour abrutir les gens, pour rendre les gens plus bêtes. On est dans un pays colonial. Un pays colonial ne peut pas se permettre d'avoir des citoyens intelligents. Sinon, il se passe quoi? Bah, il devient plus colonial. Et donc, il faut laisser les gens dans la bêtise. Ah, vous avez raison, il est fan d'Assassin. Ça y est, vous m'avez convaincu. Il écrit Killuminati partout et tout. Non, vous avez raison, en fait. Vous m'avez convaincu instant. Est-ce que les gens se révoltent? Bah, c'est pas une question de révolte, c'est une question de réveil. Mais tant que t'es dans ta bulle et tu réfléchis pas et que t'écoutes du Jul ou une autre merde, bah, tout va bien. T'as du leader price, tu vas chercher moins cher que moins cher. T'as toujours à manger. Ouais. Comme il dit Bob Marley, Hungry Man, c'est Hungry Man. C'est-à-dire qu'un homme qui a faim est un homme en colère. Donne-lui du leader price et il va fermer sa gueule. Ouais. L'école du micro d'argent était un fait de société. Oh là là. Oh là là. Mais Jul, c'est pas un fait de société, Jul, peut-être. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous voulez qu'on parle rien que dans la manière de faire du business dans le rap, c'est un fait de société, Jul. Vous êtes complètement con. Vous comprenez rien. Bref. Donc écoute du Jul et ouais. Laisse-moi tranquille. Et même ça, ça marche de moins en moins. Si. Partons de ce postulat, tu vois. Même ça, ça... Quand tu regardes genre les gilets jaunes ou... Tu vois, genre... Ça fait partie du système. Ah ouais? Ouais. Les gilets jaunes? Parce que c'est quand même... Les gilets jaunes. Jul, les gilets jaunes? Attends, je comprends plus ce qu'il veut dire, là. Prends ton 10 et lâche ma veste. Oussem, arrête. Des gens qui râlent parce qu'ils n'arrivent pas à finir la fin de mois. Ils râlent pas pour changer de système. Ils râlent pour avoir un peu plus. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on partage... La merde, un peu moins de la merde, mais ils veulent pas changer les choses. C'est quoi que t'appelles le système? McDonald's. C'est-à-dire qu'un gilet jaune, il râle pas pour qu'on mange mieux, il râle pour avoir les moyens d'acheter chez McDonald's. Oui, bah écoute, bah McDonald's est devenu cher aussi, attends, ça va. Oh là là. J'ai dit ça avec une paire d'Adidas, tu sais. Tu vas bouffer de la merde. Ouais. Mais t'as envie de la merde, t'as envie d'en profiter aussi. Donc, ah oui, bah c'est normal. Système, il est content. Tout à l'heure, t'as parlé de la planète. Ouais. L'anxiété liée à ça, elle t'empêche pas de te projeter? Ah mais si. Ouais, j'ai une faire mes courses, c'est horrible. Je suis toujours en train de me demander, attends, mais alors cette boîte de tomates, elle est moins chère que l'autre, mais est-ce que ça veut dire que les gens sont moins bien payés? Oui, mais en même temps, la boîte d'à côté, elle est plus belle. Du coup, je paye quelqu'un qui l'a dessinée, je paye le graphiste. Mais du coup, la qualité de la tomate, si on en revient à la qualité. Ouais. Où est-ce qu'elle a été produite, cette tomate? D'où elle vient? Ok, d'où elle vient? Le mais transport. Alors celle-là, elle est emballée dans une. Ouais. Dans un truc en plastique. Donc, ça veut dire qu'elle se conserve mieux. Donc il y a moins de gaspillage. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Donc il y a moins de gaspillage. Elle a dit la tomate dans le plastique, elle se conserve mieux, donc il y a moins de gaspillage. Mais c'est complètement con. Là, c'est pas de l'éco-anxiété, c'est être un peu teubé. C'est le chat en vrai, t'as raison. Je sais pas, c'est mon avis, hein. Peut-être que je suis délu, hein, mais. Je mets l'autre. L'autre, c'est peut-être de la meilleure qualité. Sauf que peut-être que pour une tomate gâchée... Enfin, c'est pas genre une tomate gâchée et un sac plastique, tu vois. Genre, j'imagine qu'elles se gâchent bien plus vite que celles qui sont dans les sacs en plastique. Bon, c'était vraiment pas clair, ça. Mais en tout cas, je me pose des questions et je peux passer des heures devant les tomates à être là, genre, je prends quoi? Je sais pas, qu'est-ce que je dois faire. T'as l'impression que ça touche d'autres... personne ou genre c'est vraiment ton problème? Non, j'ai l'impression que c'est un peu global, mais moi j'ai l'impression que je le pousse peut-être un peu à l'extrême. Et actuellement, je suis dans un gros dilemme.
Parce que ma mère, j'étais allé la voir quelques fois au début, puis les visites se sont espacées. Ouais. Et là, actuellement, ça doit faire au moins 10 ans que je ne l'ai pas vue. Là, je vais en vacances dans le sud. Elle est hospitalisée dans le sud. Donc moi, je vais à Montpellier. Elle est hospitalisée à côté de Aix-en-Provence. Attends, c'est deep parce qu'on passe de Michelin tomate. Les tomates dans le plastique, ça se conserve mieux, mais je paye un graphiste et tout, machin. À un mec qui parle de trucs vraiment brossons, en mode, j'ai pas vu ma daronne malade depuis 10 ans. Je trouve le contraste. Mais au final, Jean Chemise Orange parle des trucs les plus deep pour l'instant. Hein. Parce qu'on a eu Jean Babylone, McDo, c'est le système. Ce qui est vrai en soi. On a eu Jean Tomate, je paye les graphistes. Et au moins, lui, il parle de trucs un peu. Voilà quoi. Dans une qui s'appelle Banon. Et je sais pas pourquoi. Ma femme me dit, bah, on va la voir. Et moi, je fais. Et je sais pas pourquoi. T'as peur? Ouais. T'as peur de quoi? J'ai peur de voir une personne que je connais pas. Ou j'ai peur de la reconnaître et de la voir dans un mauvais état. Et j'ai peur parce que les dernières fois où je l'ai vue, j'ai mis 15 jours à m'en remettre à chaque fois. Ouais. Tu sais, derrière chaque peur, il y a un désir. Ouais. Derrière chaque peur, il y a un désir. Genre, si t'as peur du cancer, tu désires avoir un cancer. Je comprends pas le concept. Tu désires ne pas avoir le cancer. Ah oui, ok, j'ai compris. Ah ouais, j'ai compris. Et en fait, ouais, bon, Cyrus, c'est quoi Dany, on s'emmerde. Là, Dany, elle fait oui, Camus, mon cul sur la commode, le tragique, mon cul. Derrière la peur, derrière la peur du. Voilà, de se confronter à ta mère et de soit se rendre compte de. À quel point elle est partie, à quel point elle a changé, ou soit se rendre compte de à quel point tu culpabilises, ou, bref. C'est quoi le désir qu'il y a derrière cette peur-là, tu vois? Il a beaucoup galéré pour rien dire, on est d'accord? J'ai une sorte d'espoir qu'elle me reconnaisse, et qu'on... ce qui n'est pas impossible là, du tout, parce qu'elle a des alternances, qu'elle me reconnaisse et qu'elle... En plus, elle a Alzheimer, hein, en vrai, c'est badant. Alzheimer, c'est la maladie qui est horrible pour les proches. Presque plus, non, pas plus. Mais Alzheimer, c'est notamment les proches où c'est un truc de fou, la vérité. Sois contente de me voir, voilà. Ça effectivement, ça pourrait... Bah, c'est ça le désir, de voir qu'elle me reconnaisse et qu'elle soit contente de voir que bah, je mène bien ma vie, voilà, que j'ai fondé une famille, que tout va bien, quoi. C'est marrant parce que du coup, tu l'as pas. Enfin, c'est. Je trouve ça fou parce que tu l'as pas dit dans tes peurs. Ouais. Mais tu l'as dit sous la forme du désir. Mais donc, du coup, ça veut dire qu'une des peurs, c'est qu'elle te reconnaisse pas. Oui. Ça fait partie des peurs de le voir de la voir dans un mauvais état. C'est laquelle la peur la plus forte? La peur de regretter ou la peur de. J'ai l'impression que la peur de la revoir et d'en souffrir, elle est au-dessus là, actuellement. Parce qu'on pourrait se dire que si le travail de deuil était vraiment fait. Bah, il n'y aurait pas de peur à. Mais j'ai jamais d'un côté. Le fait d'avoir le droit d'être communautaire. Et donc maintenant, je te rends prêt. Il y a 20 contre ma pelle. Tu es. C'est. Charge beaucoup de stuff. Ouais. Et c'est cool. Genre. Et je travaille au Festival d'Avignon le 7. Et à chaque fois, tu vas en stop. Je fais beaucoup de stop, mais vu que là, c'était un peu chargé le programme niveau. Le mec a la chemise. Le mec est connu. Ce matin, je me réveille, ma mère est morte, mon père n'est plus là. Il est handicapé, il travaille au marché. Mais c'est pas lui. Quoi? Mais attendez, qu'est-ce qu'il vous racontez? Pourquoi vous m'avez envoyé un truc... C'est pas... Mais la blague est même pas drôle, c'est juste que vous m'avez envoyé un freestyle. C'est la blague. J'ai de Rungis, il fume du shit. Pourquoi je suis parti en prison? Qui m'a violé? Tout le monde m'a violé. J'ai plus d'argent, il me reste plus de bras, je sais plus quoi faire. Dans la vie, je suis une grosse merde. Ok, ouais, d'accord. Ok. Ah là, vous m'avez. Oui, c'est une parodie en plus, donc c'est. Ok. Bon, c'était un live éclaté. Voilà la vérité. Ça va, on avait fait que des bons lives jusque-là.
C'est le premier live éclaté. C'est le premier live gaze. Moi, je propose, on va faire comme Iliès. On va finir sur de la musique, je sais pas quoi. Et puis on se barre quoi. C'est bon. Storm Garna, c'est Style Garna, mais oui. Shy. Hein, j'ai dit que je voulais écouter de la bonne musique par contre. Donc désolé. Non, en vrai, j'ai pas vu le clip de Shy. C'est bien ou pas? On va juger. Commando, clip officiel. Ah, je l'ai pas regardé. C'est bien ou pas? Si c'est nul, je coupe. Hein. Sin City. Attendez, mais les gens, c'est pas parce que tu fais du noir et blanc que c'est Sin City. Si c'est Wish City en fait. Nouvel album, nouveau flow, pétage, je suis revenu prendre tout ce qu'elles m'ont dit. Jolie garçon, corps, j'aime pas mon cul, ni au bolos, ni aux maisons 10. 17-17, appelle la police, cœur rebondi comme un trampoline. A chaque couplet, mes fesses applaudissent. Jolie garçon, gang, plus gang que hooligan. J'hésite entre la benzo, la taïkane, j'crois bébé, j'suis polygame. La moitié des rappeurs sont d'occasion, chacun de leurs flots sont des locations. Chaque nouveau son, j'fais des donations. Ils veulent me faire, j'suis comment? C'est nul les gens, j'ai juré. C'était nul de fou. Bon, vas-y, y'en a marre. C'est bon. Allez les gens. À après-demain. Dans un merdier, dans un cul-de-sac. Ah ouais, ta chatte, toi ferme ta gueule, toi ferme ta gueule. La vie c'est dur, merde les chutes dures. Je coupe la pure, faut faire des ronds, un cœur de hache. Je sais pas, je t'aime pas, tu m'aimes pas. Bravo, prêt, faut faire du bif, on a intérêt. Donc parlons-en. Y'a pas d'amis pour ta bitch, pas de temps. Faut que tu piches, que tu bif, que la mif. Je sais pas ce qu'on sera dans 10 ans. Mais disons que pour l'instant je vais tomber mes étoiles en puissant. Je suis seul sur ma planète. Et je nique tout en disant Hamdoulay dans ma galère. C'est sale quand je vends la cape. Mais bon, croyez pas que je kiffe des ronds morts quand je suis à table. Baba, je bibi en bas. Temps pas, je vois le soleil se lever, se coucher, je mens quand je dis ça va. La vérité c'est que je suis autant obsédé par l'argent que je suis totalement pété, gros pété. Viens prendre ta cons avec la bile, on n'est pas à 11. 11
11, oh là là, un verre pour le salaire. Et je sers même le week-end, la putain de sa mère. Mais 24 heures les relous là. Maman, je bibi en bas. Tant pas, je vois le soleil se lever, se coucher, je mens quand je dis ça va. Oh hey, mes ennemis, la vengeance sous la grêle. Hey, mes amis, mes amis, on danse ou on crève. J'suis dans le four, j'ai chaud, j'ai la dalle. La pesanteur sur le dos qui s'installe. Et la vita, loca nous rend animal. Tout niquer devient vital. Je me défonce pour me rappeler, je me défonce pour oublier. Salut, salut. Je me défonce dans l'obscurité parce qu'on aime voir l'ombre briller. La lune, la lune. Le temps qui passe me chuchote, ma biche, c'est ta faute. Nous reste toutes ces bougies à souffler sur la côte. Le roi bien profond pour caresser le trophée. Tu veux qu'on te sauve, c'est même la pas sauvé. C'est que je suis autant obsédé par l'argent que je suis tôt, tôt, totalement pété. Gros pété, viens prendre ta conce, conce, conce avec Nabil, on n'est pas à 11, 11, 11, oh là là, un verre pour le salaire. Et je sers même le week-end, la putain de sa mère. Ouais. Maman, je bibi en bas. Tant pas, je vois le soleil se lever, se coucher, je mens quand je dis ça va. Ouais, ouais, ouais. Bon, bref, les gens. Ce stream de merde, ça suffit. Au moins, on aurait eu du PNL à la fin. Dani fait des TikTok bizarres. C'est quoi le TikTok ? Je suis en vacances à Séoul et bien entendu, je me suis procuré quelques produits de cosmétiques. Aujourd'hui, j'ai envie de tester ceci. Comme vous pouvez le voir, ce sont des patchs pour extraction de points noirs. En gros, il y a trois étapes. Première étape, on ouvre les pores. Deuxième étape, on extrait les points noirs. Troisième étape, on hydrate et on resserre les pores. Je vais sortir dehors et trouver quelqu'un au pif. Vous ! Oui, vous ! Quoi ? Votre pif, il est parfait. Oh non. Étape 1, on laissera poser 15 minutes. Rien. Allongez-vous s'il vous plaît. Mais... Bougez pas, ça va bien se passer. Étape 2, 15 minutes de pause également. En fait, je le mets dans le mauvais sens depuis le début. Là, en fait, elle devrait être dans ce sens. Bah oui, c'est le moment de vérité. C'est pas l'extraction la plus ouf de l'année. Étape 3, 10 minutes. Oh. Ils sont pas efficaces, mais en tout cas, ils sont beaux. Cette fois. Oui. Non, tu vas te tromper encore. Non. Ah voilà. Ils ont mis ça sur dernière étape. Alors, ton impression. Bon, aucune différence. Et vas-y, ça m'a saoulé, Séoul. Hein. On se barre à Tokyo, non? Bizarre ce TikTok, non? Attendez, j'ai rien compris du tout. Ok. Ok, bah, c'était une très très bonne... Jaloux de fou, ah oui. Moi, j'adorerais être au Japon, bien sûr. Ça, c'est réel. Hein. Mais ok. D'accord, c'était bien. Tout ça pour dire qu'ils sont hétéros. C'est ça qui vous a choqué, vous? Moi, ce qui m'a choqué, c'est le truc décollé tout crado, là. Mais ouais. Rask et Bloapana, mais ouais, c'est ça. Oui, on demandera des explications à son retour, exactement. Allez vous faire enculer.